Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. En ce tout début de semaine, comment allez-vous? Bonjour Balki. Oh, t'es là Balki? Alors que t'es au Japon, comment ça va? Ça se passe bien ton voyage? Bonjour Léna, bonjour Zobi, bonjour, bonjour. Vous m'entendez bien? Tout est ok? Parce que j'ai un peu poussé le micro par rapport à d'habitude. Parce que j'ai l'impression qu'il sature un peu en ce moment. Donc, n'hésitez pas à me dire si tout est ok. Je vais faire mon petit message épinglé et c'est parti. C'est nickel, parfait, merci. Premier live de cette semaine. Alors exceptionnellement, je ne suis pas en coop aujourd'hui, contrairement à d'habitude. D'habitude, c'est le lundi FASMO. Mais oh, comment ça se fait qu'il y a un effet autour de ton message, Bébou? Essayez l'effet. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment t'as fait pour faire un effet autour de ton message? Attends, what? Bonjour Jojo. Attends, c'est quoi ça? Effet Nitz? Jamais vu ce truc? Cliquez pour mettre l'animation en pause. Attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Choisir un effet. Effet Beats. Ah, c'est un des nouveaux trucs? C'est ça? Oh, let's go! J'ai jamais vu ça, attends. Ah, c'est effet de message! C'est vrai qu'on l'a jamais vu celui-là, je crois. C'est le seul qu'on avait jamais vu. Ça doit être ça. Coucou Ghost! Caché dans l'ombre. Bonjour, hello! Comment allez-vous tout le monde? Alors, attendez. Je vais faire mon petit message épinglé. Je viens de percuter que j'ai pas ma gourde. Ça commence bien. Je vais aller chercher ma gourde. Alors. On découvre Resident Evil Village. Pas de spoil, s'il vous plaît. À part si je demande de l'aide. Voilà. Et on stream jusqu'à 20h. Donc oui, exceptionnellement, on n'est pas avec les copains sur Phasmo. Je déroge à la règle. Ça doit faire quasiment 3 mois qu'on fait ça tous les lundis. Mais là, j'ai besoin d'avancer sur mon jeu. Alors, voilà. Je vous mets le petit message épinglé. Je teste ces émotes. Ah, c'est des nouveaux émotes auxquels t'as accès, Ghost, c'est ça? Tu cherches une gourde, j'arrive. D'habitude, c'est moi qui fais la blague. Alors attendez, j'arrive, je vais chercher ma gourde. Je suis là. C'est en allant chercher ma gourde que j'ai réalisé que j'avais pas bu de la journée. C'est super, bravo. C'est bien ça. C'est bien ça de pas boire de la journée, bravo. Et hop, des petits bits, ma petite Senti. Oh, merci Jojo, c'est gentil, merci Bébou. C'est bon, je suis là, attendez. Ouais, j'ai la gourde, j'ai la pompote, j'ai la gourde, j'ai tout. C'est bon, je suis ready to go. Merci Jojo pour les 15 bits, merci beaucoup. Et merci pour les, je crois que c'est 50 bits, les effets de message, je crois. Merci beaucoup les bébous. Elles sont drôles, je trouve, je suis tombée dessus par hasard. Attends, fais voir, j'ai pas eu le temps de voir les émoticônes. Lurk, ah oui, j'avoue qu'il est mignon le petit lurk derrière le mur en mode, je suis là. Alors, avant qu'on lance, petit point. Petit point. Déjà, il y a des nouveaux émoticônes. Déjà, on va commencer par le commencement. Alors, les nouveaux émoticônes, je vais vous les mettre en grand. Alors, déjà, celui-ci, Ghost, je pense que celui-là, tu vas l'apprécier. Hein. Ça fait un moment que je t'en parle. Donc, enfin, pas que toi, hein, évidemment. Mais je pense particulièrement à toi quand je vois la couche. Et le deuxième, où est-ce qu'il est? Je cherche. Alors, celui-ci, c'est particulier. C'est un sub de niveau 3, donc tout le monde ne pourra pas le faire. Mais du coup, c'est le bonk avec l'énorme marteau qui me tape sur la tête. J'aime beaucoup ces deux nouveaux. En tout cas, je suis très contente de tous ces nouveaux émoticônes qu'on développe progressivement avec Neipa. Donc ça, c'était pour les deux nouvelles choses. Voilà, Balki, il peut. Balki, il a un sub tier 3. Alors vas-y, profites-en, Bébou. Mets un milliard de marteaux. Comment ça va, Balki, d'ailleurs? Je sais pas si tu m'as répondu, je crois pas. Comment ça se passe, ton voyage? Tout va bien? Alors attendez, je voulais vous faire un point sur plusieurs choses. Cette semaine va être très particulière en termes d'horaire et en termes de planning. D'habitude, j'essaye de varier un petit peu les jeux. Là, je suis en rush sur Resident Evil Village, voilà. Donc les 3 prochains jours, vous allez bouffer que de ça. Donc là, 17h-20h, Resident Evil Village. Demain, à partir de 7h jusqu'à 17-18h, je crois, un truc comme ça. On est sur Resident Evil Village toute la journée, exceptionnellement. Voilà.
Mercredi soir, nous sommes sur Resident Evil Village. Et jeudi, nous faisons la journée spéciale Halloween. J'aurai un petit costume, voilà. je vous dis pas lequel. Et on sera sur Visage toute la journée. Voilà. Et vendredi, du coup, il n'y aura pas de stream ni samedi. Donc, c'est une semaine très particulière. C'est 1h du match, je suis décalquée, mais bismal. Ah oui, ça doit piquer quand même. Je préfère le Valky FR perso, le Valky du Japon, il ne me dit même pas bonjour. Oh bah zut. T'as pas eu le droit à ton zombie d'habitude, à chaque fois que t'arrives, il est en mode zombie. Bah je le fais à la place. Zombie. Bon, sinon, à part ça, ça se passe bien ton voyage ou pas avec vous? Voilà. Alors attendez, je vais lancer le jeu. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme. Moi, je le suis. Je sais pas si c'est bon signe ou pas pour vous, mais moi, je le suis, en tout cas. Merci à vous deux. De rien, Bébou. De rien. Plaisir. Plaisir d'offrir, plaisir de recevoir, tu sais bien. Alors, on va se mettre sur le jeu. Normalement, j'ai tout paramétré. Alors, j'espère que tout ira bien. Jeu d'horreur. Est-ce que tu peux afficher le jeu, please? Merci. Merci, merci. Normalement, je vous explique. J'ai fait tous les réglages avant de HDR, blablabla, les sous-titres, blablabla. Donc en principe, on est censé pouvoir lancer, sachant que pour Resident Evil Village, j'ai acheté le DLC. On fera à zap. Voilà, quand on aura terminé le premier, ce sera déjà pas mal. Attendez juste, je vérifie un truc. Je vois pas. Par contre, il y a un truc qui est très bizarre, c'est que je ne vois pas mon son. Je ne sais absolument pas à combien je suis. Alors ça, par contre, ça va me poser problème. Attendez. J'ai besoin de savoir à combien je suis. Je suis à 46, je monte jamais plus que 50, parce que sinon, les alertes à plus de 50, je canne. Donc on va pas aller plus haut que 50, je vous le dis tout de suite. Vivement jeudi! Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, en parlant de jeudi, j'ai demandé des conseils à Mistinguette D12 concernant l'ordre à faire de Visage, parce qu'en fait, c'est vraiment par chapitre. Et du coup, elle m'a conseillé sur l'ordre à faire, donc c'est bon, je sais comment on va faire ça. Je vérifie juste, j'étais sûre, les animations ont encore sauté. Je vous demande 2 minutes. Attendez, je me remets en jeu chatting le temps d'eux. Je sais pas pourquoi toutes mes alertes sautent sur sound alerte. C'est-à-dire qu'en gros, si vous claquez une alerte, il y aura le son, mais il y aura pas l'image. Et je me fais pas chier à mettre des images pour rien. Donc, juste je les remets. Et j'ai vraiment l'impression que c'est l'émoticône au secours qui saute. D'ailleurs, ça me fait penser, il faudra que je le change et que je mette la couche culotte aussi, pour les pires. Celle à 250, on mettra la couche. Visuellement, faut mettre la couche, attendez. Sur le moment où je vous le dis, je suis en train d'y penser. La couche pour le 250, je pense qu'on peut, hein. Attendez, je vais faire ça vite fait. Tant que j'y pense, parce que me connaissant, si je le fais pas tout de suite, c'est terminado incantatem après. J'y penserai pas. Alors, attendez. Je fais ça 2 secondes. Twitch, badge, news, design prêt, vague 1, couche, elle est où la couche? Elle est là la couche, c'est bon. La gauche, droite, avec tes yeux, on croirait t'as Roland Garros. Ah mais il se passe beaucoup de choses devant mon écran, vous savez pas, hein, mais... Il y a plein de choses qui se produisent. Définir la durée du gif. On va le mettre 8 secondes, je pense, au moins. Voire 10. 10 secondes, c'est pas mal. Voilà, regardez. Regardez à quoi ça ressemble. Hop, regardez. Tenshira. Hop. Alors, ça ressemble pas à ça en réalité, mais... Comme ça, la 250, tu auras la couche. C'est parfait. On est prêt. Les réglages sont faits. Alors, avant qu'on lance le jeu, je crois que dans les bonus, on peut... Ouais, c'est ça, je crois. On peut voir un rapport de Resident Evil 7, histoire de se remettre dans le bain. Et je pense qu'on va le faire, parce que du coup, moi, j'ai pas choisi la fin standard du jeu, qui est de sauver... comment elle s'appelle? Mia? C'est ça, sa femme, je crois, Mia? Comme ça. Donc, du coup, on va regarder ça. Tes nouvelles lunettes. Oui, mes nouvelles lunettes. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mes nouvelles lunettes. En vrai, il y a vraiment une différence absolument minime, hein. Minime, hein, regardez, je vous montre. Je sais même pas si en vrai vous voyez une très grosse différence. Coucou beauté, comment ça va après le crash nucléaire que tu m'as provoqué? Je suis désolée, bébou. Ah non, ça c'est mes lunettes solaires. Bienvenue, petit Renardo. Promis, je mange personne. Merci pour le follow d'Aliette Kennedy. Comment ça va, Christy? Du coup, t'as pu relancer ou pas après?
J'ai exactement les mêmes. Attendez, je vais vous montrer quand même. Attendez, j'ai pas souvent l'occasion, je vous montre. Attends, je vais voir après, mais vous regardez. Mes lunettes solaires, c'est exactement les mêmes. Hey, baby. Je vois que dalle. Avec le traitement UV, je vois que dalle. Hey, touch my tralala. C'est exactement les mêmes, c'est juste en version solaire. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer la différence avec les anciennes et les nouvelles. Alors attends, à boire. Déjà, il y a le à boire de Daniel. Voilà. Hop. Tu fais bien de m'y faire penser. Parce que j'ai pas bu de la journée, c'est pas bien. Je vais vous montrer la différence entre les anciennes et les nouvelles, mais en vrai, moi je la vois pas la différence. Regardez. Ça, c'est les anciennes. Ok. Avec les petits... Les petits trucs blancs, là. Ok. Et ça, c'est les nouvelles. Elles sont, en vrai, elles sont légèrement plus petites en hauteur, là et là. Du coup, elles me conviennent mieux parce que je trouve qu'elles me vont mieux. Voilà. Voilà, voilà. Alors, attends. Du coup, je vais ranger les anciennes, on a dit. Le beau-père a tout fait péter. J'allais pas relancer pour 10 minutes, mais contente de t'avoir entreperçu. Mais oui! En plus, il y avait Zomi qui était sur le chat, du coup, qui m'a dit « Ouais, c'est cool et tout !» Du coup, je me suis dit « Bah, vas-y, moi aussi, je viens !» Et en fait, bah non. Je suis arrivée. Non. On va vraiment, ça m'a dit « Non, c'est mort. Tu pourras pas. » J'étais « Bon, bah d'accord. Bah, y a pas de souci. Y a pas de souci. » Oui, c'est pas, t'inquiète, c'est pas grave, Christy, je sais qu'en plus, souvent, entre nanas, on a tendance à se faire des petits compliments, à se dire des petits mots comme ça, mais c'est juste que sur mon chat, on essaye de leur dire de pas faire de remarques sur le physique, donc du coup, un petit nom comme ça, qui peut potentiellement être connoté physique, peut donner des idées à certains, c'est pour ça. Mais t'inquiète, y'a pas de problème, Bébou, it's ok, tout va bien, Bébou, y'a pas de soucis. Tu peux m'appeler ma biche, tu veux. Ma biche, ça passe. Ma biche, ça passe parfaitement. Bonjour, Kugeo. Bonjour, tout le monde. Encore merci, du coup, pour ton follow, Daniel Kennedy. N'hésite pas si tu as envie de discuter. Alors, du coup, comme je vous ai dit, on va lancer... je crois que c'est ça, hein. Attends. Ça, c'est le DLC. Donc ça, c'est ce qu'on fera plus tard. Je crois que c'est ça qu'il faut que je... Je sais pas si c'est ça ou si c'est vidéo. Attendez. Ah non, ça doit être vidéo. Parce que là, c'est une vidéo récapitulative de ce qui s'est passé, ok. Et l'autre, c'est quoi, du coup? Rapport sur la famille Baker. Lire un rapport concernant l'incident. Je sais pas si c'est l'un ou si c'est l'autre. Je sais pas trop. Comment ça va, Gugeo? Oui, ou Mami Senshi. Mami Senshi, tu peux y aller, j'ai 2700 ans, exactement. Je peux t'appeler Bambi, il est Mims, Bambi. Bah, appelle-moi Bambi si tu veux. Y a pas de problème. Moi, j'ai le droit de te dire parce que je suis une banane. Bonjour, petite banane. Bon, bah du coup, je ne sais pas. Je pense que c'est ça qu'on doit regarder. On va voir si c'est ça. J'en sais rien. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les bébous. On va passer une bonne semaine et j'ai hâte de découvrir ce jeu avec vous. C'est Walpy. Par où commencer? Donc ça, c'est un récap, en gros. J'ai horreur des surnoms comme ma belle, ma biche. C'est pour ça que je fais des surnoms aléatoires. Ethan Winters. Ok, je comprends. Vous entendez le son, chez hein? Les Baker, ça s'est passé il y a 3 ans. Attendez, je me tais. J'étais à la recherche de ma femme disparue. Elle m'avait envoyé un email. Ah, il y a 3 ans. Elle me demandait d'aller la chercher. Ok. Et c'est comme ça que j'ai atterri au milieu de nulle part, en Louisiane. C'est cool qu'ils aient fait un récap pour les gens qui n'ont pas joué au 7. Ou qui s'en souviennent pas, parce qu'il y a eu 3 ans. J'ai alors qu'elle était retenue prisonnière dans un sous-sol. Ouais, j'ai mis des gros sous-titres exprès. Mais elle était plus la même. Non. Elle m'a attaqué comme une bête féroce. Elle était un peu dérangée, la madame. Le charmant. Alors, j'ai découvert qu'elle avait été infectée par une sorte de moisissure. J'ai fouillé la maison à la recherche d'un antidote, d'un vaccin ou autre. Les gens qui vivaient là étaient eux aussi infectés. Mm. Ce qui restait d'eux n'avait plus rien d'humain. On commence ce soir, Gugio. Tout début. La source de l'infection était une arme biologique ayant la forme d'une petite fille. On revoit un petit elle bilan. Evelyne. Comme Evelyne Delia. J'ai affronté cette famille de cinglés et j'ai réussi à soigner Mia avec un sérum. Ok, donc dans la version originale, il arrive à soigner Mia. Ce que moi, je n'ai pas fait. Puis Chris Redfield et son équipe ont débarqué et nous ont sauvés tous les deux. Chris, le bébou, le saint bébou. Ah oui, donc ça ressemble à ça, la fin avec Mia. Ok.
Est-ce que ça ira? Ouais, merci pour le récap. J'ai vraiment plus envie de parler de qui. Ok. C'est terminé maintenant. Ouais, mon cul c'est du poulet. Hein. On n'y croit pas un seul instant. Ok, donc c'est très bien effectivement d'avoir un récap. Donc à la fin, officielle que je n'ai pas faite. Du coup, il arrive à la soigner. Ok. Je pense qu'on peut lancer du coup. Alors, nouvelle partie. Facile, standard, hardcore. Survivre à l'impossible, on va éviter. Sympa pour ceux qui comprennent rien au lore. Bah, en vrai, c'est pas mal. Après, le lore, je trouve, de Resident Evil n'est pas très compliqué à comprendre. On va se mettre en standard, du coup. J'avoue, cool, le récap, moi, qu'il est pas fait. Ah, c'est vrai, tu l'as pas fait, Christy. Quand il a vu sa femme, il a dû se dire « Mamma mia !» J'avoue. Alors, première personne. Alors, je vous explique. Vu que j'ai acheté le DLC, il me propose un milliard d'options. Donc, je vous montre juste ce qui est possible de faire. Mais moi, je sais sur quoi je pars. Donc, de base, le jeu est fait à la première personne, mais on a aussi une version à la troisième personne qui est proposée parce que j'ai acheté le DLC. On va rester sur la version première, parce que c'est la version originale du jeu et j'ai envie de la faire en version originale. Mais sachez qu'il existe une version troisième personne, et du coup, peut-être que, si on le refait en plus difficile, peut-être on testera la version à la troisième personne. Voilà! Tu avais vu ce que Senshi lui a dit en la voyant, c'était papa, mamie. Non, c'était pas vraiment ça. Le village des ombres. Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Oh, c'est la voix de... Les accueillit avec un... C'est la voix de... Ah, crotte de biquette. C'est la voix de... Attendez, ça va me revenir. Comment elle s'appelle la jumelle, là, dans Game of Thrones. Cersei! C'est la voix de Cersei Lannister! J'ai fait aucun Resident Evil, j'aime pas les jeux solo, mais j'aime regarder. Eh bah, parfait, tu es bien trouvé, bébé-vous. C'est la voix de Cersei! Le froid est pesant, les buissons étaient vides. Enfin, la doubleuse. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère et sa gorge devint toute sèche. Oh, le style graphique est incroyable. Le sonore des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. « Viens, mon enfant, étanche ta soif, » dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Ça sent pas bon. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçants recouvrirent le ciel et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu. Attendez deux secondes. C'est bon. Nico avait besoin de récupérer un truc, du coup il m'a fait sonner. C'est bon, je relance, pardon, j'ai coupé en plein milieu de la cinématique. C'est reparti. L'enfant frissonnait, mais un tisserand sombre apparut. Et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. Oh, le style graphique est incroyable. Réchauffe-toi, dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Coucou Neipa. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Oh, c'est magnifique. La faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis ton estomac !» La fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur. À mon avis, elle va finir par le payer au bout d'un moment tous les cadeaux. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparut, paré d'un magnifique rouage en or. Oh, qu'est-ce que c'est beau! La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha. Bonjour tout le monde! Ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Ah! Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Ah! Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière. Ténébreuse, mais majestueuse. C'est moi la sorcière! Vous verrez ça cette semaine.
suis une vilaine sorcière. Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Ah, c'est Mia qui raconte l'histoire. Réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée. Ça te fait rire? Ça te fait rire, Spy, une gamine qui se fait dévorer? Bah super! Super! Bonjour Spy, comment allez-vous les bébous? Attendez, je fais pause vite fait. Et tout le monde, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien et toi bébou? Je laisse mon lurk, mon monsieur rendre des bisous, Bambi. Des bisous, profite bien avec ton chéri. Non mais tu as dit, c'est moi la sorcière. Ah oui! Bah oui, le rire de sorcière, il est parfait. D'ailleurs, on a prévu de faire un émoticône sorcière avec avec Neipo. Justement, on mettra l'émoticône sorcière en aperçu. En fait, on a un milliard d'émoticônes à faire. Mais on les fait progressivement, du plus important au moins important. Mais il y a un émoticône sorcière qui finira par sortir et qui sera... J'en dis pas plus, vous comprendrez jeudi. Bref, j'en ai bien assez dit, j'en ai trop dit. J'ai ajouté un truc genre « a long beat sur le boat ». Qu'est-ce que c'est « a long to beat » ? Rien de mieux qu'un enfant au déjeuner. Alors ça, on est d'accord. Ça, nous sommes d'accord. Allez, c'est parti, on continue. Donc ils ont eu une gosse. Mais t'as pas des histoires moins flippantes? Elle a que 6 mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Ok, sachant que ça fait 3 ans. Ça s'est passé. Et puis, ça n'a pas l'air de gêner Rose. Oh. C'est surtout qu'elle comprend pas. Et heureusement. Ouais, je pense, c'est surtout ça. Ici pour qu'elle grandisse sans tout ça, t'as oublié? Ma mémoire fonctionne très bien. Oula, elle est un peu énervée là. Écoute, t'es trop parano. C'est juste... Non, laisse tomber. Désolé. J'ai mis des gros sous-titres avec le nom des personnes pour que ce soit plus pratique. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Moi, elle me fait flipper. Hein. Depuis qu'elle m'a balancé des haches dessus et des machins, j'ai pas confiance. Hein. Je vous le dis. Hein. De toute façon, je l'avais pas sauvée hein, dans ma première run, hein, je vous rappelle. Hein. Donc moi, j'en ai un peu rien à carrer de sa gueule. Hein. Je vous le dis clairement. Tout va bien. J'avais pas prévu de la sauver à la base. Faut faire oublier tout ça, mon cœur. Ouais, ouais, ouais. Je peux pas lui en vouloir. Ouais, ouais, ouais. Allez. Ça va bien se passer, je sens. Contrôler la vue. Tu as dit quelque chose ? Rien. Non ! Je parle au chat ! Je leur dis que t'es folle et que tu me fais flipper ! T'as vu sa coupe de cheveux ? Ouais, elle a les cheveux sur le côté, elle aussi, elle tente des trucs. Je l'ai fait planter, c'est pour estimer le temps d'un jeu. Oh, c'est bien ça ! C'était pas la fin canon, ne pas la sauver. Ouais, ouais, mais moi je préférais ne pas la sauver, la bébou. Elle m'intéresse pas. Alors qu'est-ce que je fais ? On va appeler ça le skin Mia, ouais, le skin Mia. D'ailleurs, faut qu'on trouve un nom à mon nouveau skin quand je m'attache les cheveux. T'approches pas trop de moi quand je cuisine, chérie. Pourquoi? Tu vas me brûler, sinon? Tu vas faire quoi, là? C'est quoi cette menace? Bon, je suppose qu'il faut que je monte à l'étage. Déjà, on a le skin casual, c'est le skin actuel. Et on a le skin summer slash flemme quand je m'attache une partie des cheveux en haut. Maintenant, il faut trouver un nom de skin pour quand j'ai les cheveux sur le côté. Alors, le temps nécessaire pour terminer, en évitant les quêtes secondaires et en passant les crédits de 14 heures, le temps moyen nécessaire est de 14 heures, là où les temps sont estimés sur la base de 5 avis. Wow. Moi, je pense que tu peux compter 5-6 heures de plus facile. C'est cool ce truc, merci Spy. Je l'ai dit à maman, t'es un peu petite pour ce livre. Oh, tu crois? Tu crois, bébou? Déjà 6 mois pour un livre, c'est déjà tôt, alors pour un truc de ce style, oui. Ok. Allez où ta chambre, bébou? En tout cas, la maison est très belle. On y est presque. Je sais pas si on va y rester. Tu peux aussi préciser juste si tu ne veux pas pour le jeu en cours. Ah, tu peux regarder pour un autre. Ok. Là, je pense, pour Senshi, il faut estimer 20 heures et je suis gentille. Oui. Tu as tout à fait raison, bébou. Surtout qu'il y a le DLC voilà, en plus. Pour ça, je fais un gros rush cette semaine. Je suis juste en bas. Oh. On ne laissera aucun vilain monstre t'attraper. Oh. Et est-ce que la mère, ça compte pour un monstre ou pas? Parce que moi, j'ai pas confiance avec elle. Hein. Moi, elle me fait trop fait flipper. Hein. Les habits de Rose pour demain. Oh, bah, c'est pipou, ça. Ok, faut que je redescende, j'imagine. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux faire? On s'est encore disputé, Mia et moi. J'ai eu le malheur de parler de ce qui s'est passé il y a 3 ans et ça l'a fait sortir de ses gonds. Je vous dis, elle est colérique, là, madame. Maintenant qu'on a pris nos repères dans cette nouvelle vie en Europe, Oula, il y a une heure de trad là, on va enfin pouvoir... Ah non, c'est juste moi qui suis conne. J'ai rien dit. On va enfin pouvoir se consacrer à Rose. J'ai quand même l'impression qu'une partie de moi a encore du mal à tirer un trait sur ce qu'on a vécu en Louisiane.
Je sais que Mia n'aime pas en parler, mais est-ce qu'on peut vraiment tout oublier, faire comme si de rien de tout ça n'avait existé? Je pense au contraire qu'on devrait faire face à notre passé pour mieux construire notre avenir avec Rose. En tant que parent, on lui doit bien cela. Je suis sûre que Mia en est consciente elle aussi, elle n'aurait pas explosé comme ça à l'hôpital si ce n'était pas le cas. Explosé à l'hôpital? Que est? Qu'est-ce qu'elle a fait la madame? Dans sa BDD, je pense. De quoi? Dans sa BDD? Si le jeu n'existe pas, il plante pas, je note. Attends, quoi? Dans sa BBD? J'ai pas compris. C'est quoi ça? Aucun trouble apparent, l'enfant est en bonne santé. Les résultats des examens complémentaires relatifs au dépistage d'agents pathogènes fongiques seront fournis. Ah, ils l'ont... Rose va bien. Ah, ils l'ont testé pour voir si elle avait pas le virus, en gros. C'est la peluche préférée de Rose. S'alarmer pour la survie, manuel d'utilisation des armes lourdes en situation de combat. Oui. Oh, ils sont mariés! Ok. Ça, c'est quand elle était enceinte. Ok. Ok. Oh, elle est trop mignonne! Elle est trop mignonne avec son doudou préféré, bébou. Une fois que je trouve un gamin mignon. Ah! Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à trouver? Ah, le placard! Non. Ok. Je sais pas s'il y a réellement des trucs intéressants à récupérer avant le lancement du jeu, mais. Tant qu'à faire, si on peut avoir un peu de lore pour une fois qu'on s'y intéresse un petit peu au lore. Oula, c'est le bordel ici par contre. Va falloir que je nettoie tout ça avant que Rose fasse ses premiers pas. Oh, tu crois, bébou? C'est quoi ça? Application, c'est émanation de gaz. Blablabla. Blablabla. Personne se souvient de cette histoire. Ah, mais attends, Jack Baker, c'était pas la famille? Rappelons que cet incident a fait plusieurs victimes quand Winter était également présent sur les lieux au moment de l'incident. On ignore toujours où il se trouve. Attends, quoi? Ah, il considère que c'est un gaz qui a fait ça? Ouais, en fait, il mito à la terre entière, quoi. C'est pas du tout un gaz. C'est que maintenant que tu le découvres, ils sont mariés avant les événements de Resident Evil 7. Ah bah, peut-être qu'ils l'ont dit que j'ai oublié, tu sais. Ma tête est une passoire, après tout. Certainement qu'ils l'ont déjà dit. Ah, que bonjour, comment ça va tout le monde? Eh bah, écoute, comment ça va du temps libre? Nous, on est en pleine découverte de Resident Evil 8. On a lancé il y a 5 minutes. Et on va être dessus toute la semaine, à part jeudi, on sera sur Village. Donc, Visage, pardon. Donc, RAS, tout va bien. Et toi, Bébou? Coucou, Benny! Bonjour, Bébou! Bonjour, les Kitsunes! Bonjour, Bébou, Toncle, Ongle, Ben, Benny, je ne me rappelle plus la suite. Une passoire de mauvaise qualité, ça, je te le fais pas dire. On est sur de la passoire Marc Repère, hein. On n'a pas pris la meilleure passoire. Les couches de rose, elles vont bientôt être trop petites. Oui, wow, ça, je pense qu'on s'en fout un petit peu, hein. J'ai bien aimé le 8. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont apprécié. Ça a été? Oui, ma... oui, ça va. Pas ma bébé. Oh, la bonne blague. Mais ça sent bon, ça, c'est quoi? Eh, bats les pattes. C'est une ciorba de légumes. Une recette locale. Wow. Mm-hmm. Tu t'adaptes vite, toi, on dirait. Même le vin est du coin. Je vous dis, j'ai pas confiance. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu touches pas. Pourquoi elle me tire dessus à balles réelles, là, ou que... Il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire. Ouais, il a tout à fait raison de s'en faire. Te retrouver en Louisiane, la grossesse, Chris qui nous amène ici, l'entraînement militaire... Ah, Chris qui nous amène ici si vite. Mais au moins, on est ensemble. Ah. Toi, moi, Rose. Maintenant, je suis sûre que tu vas... Sérieusement? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane? Moi, ça, j'y crois c'est pas. C'est l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Attends, quoi? Viens de se faire tirer dessus? Mia, baisse-toi! Quoi? Mia! Quoi? Attends, quoi? Attends, quoi? Ah, ça a dérapé beaucoup trop vite à mon goût, là. Je savais que ça allait déraper, mais pas aussi vite. Chris. C'est Chris? Qu'est-ce que tu fous? Désolé, Ethan. Non! Putain!
passe quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que quoi? Attends, quoi? C'était trop rapide là pour mon cerveau là. Attends, il y a deux secondes, je faisais des vannes à dire qu'elle était folle et là maintenant elle vient de se faire buter? Quoi? Avance. Attendez, je vous lis après le chat. Hé, hey, tu touches pas ma gosse, connard! Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille? Touche pas ma fille! Nous l'avons. Qu'est-ce qu'il fout le bébou là? Ethan, non. Mais c'est censé être mon poteau! Oui, bute ma femme et kidnappe ma fille! Mais pourquoi? Sortez-le d'ici. Mais pourquoi? Mais non! Je venais de dire que c'était le saint bébou et là tu me kidnappes ma fille! Là on est plus potes là! Je croyais que t'étais mon pote à la compote, t'es plus mon pote à la compote là! Mais quoi? Allô? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre... Attends, pause là. Il va falloir débriefer sur ça, là. Attendez, là. Une cinématique après une autre, là. Ça va pas bien, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attendez, je rattrape les messages. Très bien, et toi? C'est pire qu'une passoire. À la fin de R7, il récupère Ethan. Mais oui, mais je sais qu'il récupère Ethan. Ça, je sais, bébou. Ça, je m'en souviens, quand même. Vraiment, je suis pas fan de Mia. Eh bah, bébou, on est ensemble. Je la déteste, moi aussi. Ah bah, t'es content? Ça devrait être corrigé. Au moins, plus pension à payer. Peut pas expliquer en deux phrases, ça rend fou. Toujours se méfier de ses amis. Ah bah, là, je suis ton ami. Ta-la-ta-la-ta. Espèce d'enculé. Ta-la-ta-la-ta. Tu kidnappes ma fille, tu butes ma femme. C'est quoi ce putain de bordel? Talap, talap, tap. Je te faisais confiance et tu m'as trahi. Je suis plutôt ton ami. Qu'est-ce que c'est que cette merde? What the fuck? Il s'est passé trop de choses là. Trop de choses en peu de temps là. Mon cerveau il vrille déjà là, ça y est. Ça y est, c'est le bordel. Let's go. Ah, t'as clippé ça, bébou. Oh, c'est trop aimable. Pour l'expression de perdu, 10 de retrouver. Ah, bah après, moi, j'y tiens pas particulièrement à ma femme. Hein. J'ai envie de vous dire, ça me dérange pas plus que ça. Attends. Je veux voir le clip. Ça a vraiment fait le clip, genre là, de la seconde, attends. Ah oui, c'est le truc automatique, attends. C'est vrai, quand je crois que j'ai même pas regardé si ça fonctionnait, mais je pense que oui, attends. Va. Attends. Espèce d'enculé! Il est sorti très. Tu kidnappes ma fille, tu butes ma femme! C'est quoi ce putain de bordel? Talap, talap, tap! Je te faisais confiance et tu m'as trahi! Je suis plutôt ton ami! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Complètement ravagé dès le début, bah voilà, comme d'habitude. Non mais par contre, c'est quoi ce bordel là? Moi, je pensais que ça allait partir en steak, mais je pensais que j'allais avoir 10 minutes de répit avant. Non, non. D'accord. Merci, Benny, pour le clip. Ça m'aide beaucoup quand vous faites des clips. Merci. Parfait. Ah, ça, c'est pour voir tes résultats. J'ai déjà chaud. J'ai déjà les joues cramoisies. C'est le docteur. À l'aide. Rendez-vous la semaine prochaine. À l'aide. Vous mettez des œufs là? On a des œufs au plat dans 5 minutes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Ah mais le problème c'est que lui il est obsédé par ça et elle veut pas du tout en parler. Fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète? Dis-moi, elle dira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non? Et nous, dans tout ça, je tiens à toi. Tu vois pas que... Et de quoi est-ce que tu me parles? Il y a quelque chose que tu m'as pas dit? Vas-y, parle-moi. Il y a un truc qui est pas clair avec elle. Je vous le dis. Hein. Merde. Work. Que je réponde. Je suis outrée. C'est bon, on a compris. Non, mais il y a un truc qui est pas net. My little angel. Oh, bébou. Ok, donc ça, c'est maintenant? Je pense que oui. Ça a l'air d'être le zbeul, donc je pense que oui. Il y en a beaucoup dans le chat qui ont fait Resident Evil 8 ou qui l'ont vu, juste que je m'en rende compte. Qui découvre et qui ne découvre pas, du coup.
J'ai pas eu le temps de voir. De quoi est-ce que vous parlez? Où est Chris Redfield? Et Rose? Juste, j'ai oublié de vous poser la question. On est d'accord que, vu que le jeu parle en français, je lis pas les sous-titres. C'est pas la peine. On est d'accord. C'est uniquement quand c'est en anglais sous-titré français que je lis. Pas fait, mais j'ai vu quelques passages très peu. Fini deux ou trois fois, ok. Fini, mais pas mal oublié, ok. Je n'ai fait aucun Resident Evil, ok. Et j'ai vu tout le jeu sur un let's play, ok. Très bien, merci pour toutes ces réponses, les bébous, vous gérez. J'ai extrêmement mal, par contre, au crâne à cause de mes lunettes. Je sais pas si c'est normal, je pense que c'est parce qu'elles sont nouvelles. J'ai l'impression qu'elles me rentrent dans le crâne. Derrière les oreilles, ça me tue. Hola, señori, señoritas. Bonjour, Nagisa, comment vas-tu, bébou? Merde. Merci pour les confirmations, les bébous, vous êtes gentils. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah, je sais pas, moi. Ok, c'est bon, on peut jouer. Alors, téléphone, il est hors d'usage, ok. Objectif, abattre la cible, récupérer le corps, sécuriser Rose, Mary Winter et Enas Winters. Ethan, transporter Winter jusqu'au site C pour des examens approfondis, au moins deux soldats devront les accompagner. Attends, quand il parle de la cible, il parle de Mia, je pense. Sécuriser Rose, Mary, donc ça veut pas dire qu'ils ont l'intention de lui faire du mal, je pense que c'est même l'inverse. C'est plutôt genre on les sécurise. Mm-hmm. Avec plaisir. Je suis là pour te voir flipper, je sais. Oui, c'est le 8. Nagisa, c'est le 8, c'est Resident Evil Village. Donc c'est celui qui est juste après le 7, qu'on a déjà fait, qu'on vient de terminer la semaine dernière. Et là, on l'attaque tout juste. Là, vraiment, c'est le début. Oh. Ça, c'est Clintré, je suis sûre. C'est quoi ce truc? Ah bah oui, c'était toi. J'étais sûre que c'était toi. Je vais rigoler quand elle va flipper. Oui, bah comme d'habitude, quoi. Je vais me mettre à gueuler comme un putois. Et puis voilà, let's go. Comment ça va, Kintry? De toute façon, je vous connais. Hein. Il y en a maintenant, quand vous arrivez avec une alerte. Je vous connais, hein. Les bébous, hein. Vous me la faites pas, hein. Par contre, je peux vraiment pas aller vite. Je peux pas accélérer? Non. Je peux me baisser? Oui. Ouais, quoi ce bruit? Ce qui est horrible, c'est que des fois, quand vous déclenchez des alertes, c'est tellement fort que j'entends plus le son du jeu. Du coup, à tout moment, il y a un truc qui va me péter à la gueule, je vais pas l'entendre. Meilleure alerte, la dernière fois, elle avait bugué. Du coup, j'arrive plus à me relever. S'accroupir. Ah, c'est comme ça. D'accord. Ok. Tu veux dire que c'est dégueu? Ouais, ouais. Merci pour elle, béni pour ton don. Attends, quoi? Il y a eu un don? Attends, quoi? Il y a eu un... Comment ça, il y a eu un don? J'ai eu aucune alerte. Attends, quoi? Attends. Comment ça, il y a une alerte? Attends, quoi? Vous avez vu l'alerte de don? Attends. Bah si, je la vois. Dernier don, tombez-nous. Oh, c'est choupi, ça. Merci, Benny. Merci, Benou. Attends, vous avez entendu une alerte? J'ai rien entendu, moi. Il y a eu la A, c'est dégouillou, la cri de l'infini. Je serai ça jusqu'à jeudi, après je promets plus rien. Ouais, ouais. Dis-toi qu'un trophée, c'est le finir en 3 heures. Wow, bon, j'en ai rien à foutre d'aller vite. Hola, c'est Nenshi. Bonjour le chat. Coucou la plume, comment vas-tu? Tu vas dire que c'est dégueu, tu vas faire que ça. Ah bah, c'est super. Non, il n'y a pas eu d'alerte, mais j'ai vu sur l'interface. Bah, attendez, wait a minute. Pourquoi il n'y a pas eu d'alerte? Ah non, on va s'énerver là. On va s'énerver. Si mes alertes fonctionnent pas, ça va pas bien se passer. Surtout une alerte aussi importante, si je la loupe, je vais aller au bûcher. Heureusement que tu l'as vu, parce que je l'ai pas vu. Du coup, merci beaucoup, Benny, pour ton don. Merci beaucoup, Benou. Attendez, je règle ça. Attendez, parce que une alerte qui bug, ça va vite m'énerver, je le sens. Pourquoi ça marche pas? Attends, don. Pour fêter la sortie de ton site. Oh bébou, mais c'est trop mignon. Mais attendez, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Attendez. C'est vrai que j'ai jamais essayé les dons depuis que je suis sur la nouvelle plateforme, je suis sur Stream Element. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? À l'aide!
Mais oui, je la vois, mais il n'y a pas eu d'alerte. Attendez. Pourquoi il n'y a pas eu d'alerte? Pourquoi il n'y a pas eu d'alerte? Oui. À l'aide. Neipa, est-ce que t'es là? Parce que du coup, je passe par Stream Elements, alors qu'avant, je passais pas par Stream Elements. Et du coup, je crois que mon truc, il est pas paramétré. Ah, ça va pas, là? C'est pas sérieux, ça, Senshi? Ah non? Parce qu'en fait, à la base, avant, je passais par Streamlabs. Mais je passe plus par Streamlabs. Du coup, je fais comment? Wany? Comment je fais? Attendez, je vais régler ça vite. Enfin, j'espère vite. Il y a mon truc qui est connecté, mais il n'y a pas eu d'alerte. Faut peut-être que j'ajoute... Ah, je suis en panique, là, attendez. j'avais pas percuté que ça marchait pas. Penny, tu m'as cassé le cerveau. Non. Au secours. Tu m'as cassé le cerveau. Au secours. Add widget, ça doit être ça. Attendez. Je me dépêche. Ah. Tips. C'est ça ou pas? Je sais pas. Mais ça va pas ou quoi? T'as pas les alertes? Bah, en fait, j'ai changé toutes mes alertes. Je passe par Stream Elements maintenant, alors qu'avant, les alertes de dons, c'était Stream Labs. Et du coup, j'ai pas percuté. Attendez 2 secondes. Je cherche. C'est où? Alert box. C'est pas ça? Si, ça doit être ça. Si, je crois que c'est ça! Je crois que j'ai trouvé! Attendez, je crois que j'ai trouvé! 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 Je crois que j'ai trouvé, enfin j'espère que c'est ça. Si, je crois que c'est ça! Attendez! Wait a minute! Je crois que j'ai trouvé! J'en ai pour 5 minutes, je me dépêche! C'est ça, je crois. J'ai. Faut faire a cappella les alertes. Ouais, c'est ça. Ok, save. Save. I save. Overlay. Attendez. Little Big Brain va s'en sortir. Emulate. Ok, emulate. 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 Ah! Emulate! Emulate quoi? Ah! Émine de panicos, là. Si, c'est ça, attendez. C'est ça, je crois. Ah! Oui, c'est ça! C'est ça, mais c'est pas ça! Au secours! Peut passer à autre chose tant que c'est pas réglé! Non! Je te confirme! Tant que c'est pas réglé, je vais pas passer à autre chose! Oh, quel enfer! Non, j'oublie de faire ça! Non! 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 C'était quoi le son? Ah, mais vous faites des dons! Mais attendez! Attendez, c'est pas réglé! Attendez! Non! Vous me mettez en blesse, là! Arrêtez! Attendez! Merci, mais attendez, c'est pas réglé le problème! C'était quoi le don? Alerte don, petit cadeau, c'était ça, je crois! Attendez! Ah! Et hop! Petit cadeau, petite Senshi! Ah! Vous l'avez entendu ou pas? Je crois que c'est bon! Attendez, je l'ai! Au secours, je suis en train de craquer. Attendez, ça me stresse. Je panique là, parce que si c'est pas réglé, ça va me stresser tout le long, hein. Attendez, je teste. Je crois que c'est bon. Et hop. Petit cadeau, petite Senshi. Non, ça va pas! Pourquoi on l'entend en double? Et en plus, on n'a pas l'image! Non! Ça va pas! Putain, fais chier! Au secours! Comment je fais? Pourquoi j'ai pas l'image? Cette vidéo! À l'aide! Attendez, non mais ça va pas! Imaginez quelqu'un... Bah non, vous me faites... Mais me faites... Et hop! Mais non! Petit cadeau, petite Senshi. Mais arrêtez! Ça me stresse!
Je vois qu'il y a des dons et j'arrive pas à les faire apparaître. Au secours. J'ai chaud. Au secours. Pourquoi ça n'apparaît pas? Bah oui, mais faut au moins que j'ai l'alerte. Faut au moins que j'ai l'alerte. Mais pourquoi je l'ai en double, alerte? Mais non. Pourquoi j'ai l'alerte en double? Bordello. Change image, cette vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire? I don't understand. Vous l'entendez en une fois ou en deux fois, là? Attendez. Ça va pas. Attends. Et hop. Petit cadeau, petite Senshi. Ah si, ça y est, on voit l'image. Attendez, j'y suis presque. Attendez. Attendez, on va y arriver. On a un bout d'image. Oui. Let's go. Petit cadeau, petite Senshi. Arrêtez. Je vais canner. Au secours. Je vais y arriver. Arrêtez. Il y a trop de trucs en même temps. Au secours. Je vais canner en direct. Au secours. Lorette qui arrive au pire moment. Au secours. Coucou Cloutaille. Je suis en train de craquer nerveusement. Au secours. Je vois la PLS de Senshi. Cloutaille, au secours. Et hop. Petit cadeau, petite Senshi. Mais putain, comment je fais pour régler mon problème? C'est bon, on y est presque. On a l'image, on y est presque. Oh, j'ai chaud. J'ai l'impression, là, le ressenti, il est à 40. Et hop. Petit cadeau, petite Senshi. Ah, le ressenti, il est à 40, là. Vous l'entendez toujours en x1 ou vous l'entendez en x2? Coucou Cloudaille, je suis désolée. Les raiders, vous arrivez sur un craquage du slip, là. Parce qu'en fait, j'ai des dons. Arrêtez de me faire des dons. Arrêtez. Ah. Arrêtez. Au secours. Annette. Arrêtez. Mais j'en sais rien. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est des vrais dons, des pas des vrais dons. I don't know. Je sais pas. Je sais plus. En fait, c'est pas affiché. Ça s'affiche pas dans le chat. À l'aide. Comment je fais? Parce que le problème, c'est que si je vois pas, comment je fais pour savoir? Il faut que ça apparaisse dans le chat. Comment je sais pour faire apparaître dans le chat? Au secours. Je sais pas. Comment je sais? Je suis désolée. En fait, le problème, c'est que j'ai l'image qui pop sur l'écran, d'accord? Mais il faut que ça apparaisse dans le chat! Parce que sinon, comment je sais? Je vais pas le voir! Je risque de louper le truc! Vous comprenez ou vous comprenez pas? Moi, je me comprends pas moi-même, déjà! Au secours! Je suis en train de canner nerveusement, là! Oh, c'est vraiment le genre de truc, ça me trigger premier degré, je sais pas comment gérer mon truc, là! Non! J'ai fait bêtise! Attendez, j'ai fait bêtise, non, Senshi, non. Putain, ça devait être un stream sérieux, on était censé avancer, là j'avance pas. Oh, j'ai chaud, au secours. Attendez, c'est bon ou c'est pas bon? Senshi, oui. On respire. Attends. Et hop, petit cadeau, petite Senshi. Oh putain, je m'occupe du bot du chat. Ah, tu peux faire un truc pour m'aider, Neipar? Oh oui, merci. Oh, je t'aime. Oh, si tu peux m'aider. Oh, je t'en serai éternellement reconnaissante parce que là, j'ai chaud, sa mère. Non, c'est pas le moment d'écouter la musique de votre choix, bordello. Vous voyez pas que je suis en PLS? Oh, yaya, au pire, tu remets ton lien Streamlabs pour celui-là et tu vois qu'après le stream. Mais non, je peux pas parce qu'après, ça va me foutre le sbol s'il y a une partie d'un côté, une partie de l'autre. Je te dis ça depuis tout à l'heure. Ah bon? J'ai pas vu. Mais le problème, c'est que je ne peux pas, parce que si je fais ça, je ne vois plus ce que je fais à l'écran. Attendez, comment je fais? Parce que c'est partage d'écran. Je vous vois plus si je fais ça, j'ai que deux écrans, les pépous. Ok, si, vous voulez de musique, attendez, je vais vous mettre une musique. Je vais vous mettre Senshi la folle. Comme ça, tout le monde sera content, tout le monde il est content, tout le monde il est joyeux, tout le monde il est... Voilà. Senshi la folle, voilà, merci. Voilà, je vous vois plus, hein, par contre. Hein. Je ne peux pas et vous voir et voir ce que je fais. Hein. Je peux pas être de partout. Voilà, allez, hop.
catastrophe? Eh bah, ça sera Senshi la catastrophe. Eh bah, c'est parti pour Senshi la catastrophe, y'a pas de problème. Senshi la catastrophe, elle est où? Elle est là. Voilà, vous êtes contents? Vous avez ce que vous voulez? Voilà, on écoute des musiques. Voilà. Merci, ma petite Cloudaï. La catastrophe, Senshira. Elle chute sans cesse, c'est toujours le même résultat. Malgré ses efforts, c'est un désastre, on le sait bien. À chaque fois, sa destinée prend ce chemin. Et hop, petit cadeau, petite Senshi. Encore et encore, ses fails sont légendaires, des vrais trésors. C'est une catastrophe sans fin, mais c'est pour ça qu'on aime bien. Le chat adore se moquer d'elle, en même temps rien de plus naturel. Je ne lui fais jamais de cadeaux, avec elle c'est vraiment tout un show. Senshira tombe encore et encore, ses fails sont légendaires, des vrais trésors. C'est une catastrophe sans fin, mais c'est pour ça qu'on l'aime bien. Sans cesse attiré par le vide, rien n'arrête son cœur intrépide. Chaque jeu avec du vide est une épreuve. Quand elle tombe, les larmes de rire pleuvent. Senshira tombe encore et encore. Ses fails sont légendaires, des vrais trésors. C'est une catastrophe sans fin, mais c'est pour ça qu'on l'aime bien. Son compteur de mort ne fait qu'augmenter. La moitié ne sont que des chutes inopinées. Toujours épique dans sa manière de jouer. Elle finit cependant souvent outrée. Senshira tombe encore et encore. Ses fails sont légendaires, des vrais trésors. C'est une catastrophe sans fin, mais c'est pour ça qu'on l'aime bien. Elle fait tout pour s'en sortir. Ses larmes nous font en rire, comme elle le dit avec le sourire. C'est toujours un véritable plaisir. Ok, alors attendez. Neipa, est-ce que tu crois que tu vas réussir à trouver la solution pour que j'avance pendant ce temps ou pas? Parce qu'en fait, j'ai chaud. Au secours. J'ai chaud. Je vais tout faire avant la fin de ce stream, moi je vous le dis. Je vous montre à quoi ça ressemble pour l'instant. Est-ce que tu vas réussir ou pas, Neipa? Regarde, ça ressemble à ça pour l'instant. Et hop. Petit cadeau, petite Senshi. C'est écrit en blanc et en orange. Est-ce que t'arrives à me passer tout en orange et que ce soit plus visible? Oui, je gère, ok. Donc je peux continuer mon jeu et arrêter de m'énerver pour rien pendant 15 minutes? C'est ce que vous êtes en train de dire? Du coup, je sais même pas s'il y a eu des vrais dons, des pas vrais dons. Je sais pas si je dois, à qui je dois dire merci ou pas. Attendez, juste je vérifie ça. En fait, ce qui me stresse, c'est que je me dis, quelqu'un qui fait un don, j'ai pas envie de louper le truc, enfin... J'ai envie de louper aucune alerte, mais encore moins un don, quoi. C'est super important. Faut que je puisse remercier. Attendez, est-ce qu'il faut juste que je vérifie? Si, il y a eu 20 euros, il y a eu 5 euros. Qui c'est qui a envoyé 5 euros? Faut que je dise merci à qui? Non, c'est bon, je vois. Il y a un 20 euros et un 5 euros. Benou plus PLS. Ah, c'est toi les deux! D'accord. Eh ben, merci Bebou. Merci Bebou pour les deux. Merci Bebou. Ok. Donc je peux continuer, c'est bon, j'arrête de... Ah! Pas que c'est la musique, la kétamine aide bien pour s'apaiser. Mais moi ça me stresse quand ça bug en plein live. Oh pétard. Ok, on continue? On continue? Oui, allez, on continue. C'est Wisebot le reste. Il y a une partie c'est Wisebot et il y a une partie c'est Stream Elements. C'est ça, hein? Attends, je dis pas de bêtises. Oui. Il y a une partie c'est Stream... En gros, tous mes overlays c'est Wisebot. Quand il y a un raid avec plein de petits trucs qui pop, c'est Wisebot. Et maintenant, les dons, c'est aussi Wisebot. Stream Elements. J'ai tout regroupé sur le même truc parce que sinon, c'était le bordel. Il y avait trop de trucs activés en même temps. Du coup, c'est bon comme ça? Allez, j'avance. J'avance! Senshi, arrête de bloquer. J'espère que ça vous aura bien fait rire parce que moi, ça m'aura bien stressé. Voilà. Envie de canner, je suis désolée pour cette interruption de je sais pas combien de temps. Je m'y remets. Je fais confiance à Neipa. Neipa, il m'a dit il était dessus, je laisse gérer. Allez,
On continue. Ah, bah c'est bien, j'ai pris un bon coup de chaud, là. C'est bon, je suis bien dans le jeu, là. Quel enfer. Ok, c'est bon. Je m'arrête de m'arrêter. Voilà. Oh, ta mère, c'est quoi ce bruit? Désolée pour cette interruption, c'était une bonne idée qui entrait finalement la musique. Je colore, je go sur Overwatch, j'ai besoin d'aimer rire. Ok, merci encore Benny pour les dons. Merci beaucoup Bébou, merci, c'est très gentil à toi. Merci beaucoup. Ah, il y a des bruits, sa mère. Ah non, hein. Ah non, 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 hein. Ah non, 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 hein. Oh pétard, il y a des corbeaux morts. Namasté. Oui, je suis désolée, du coup, il y a eu un raid de Cloudaille, je l'ai même pas accueilli. Je suis désolée, c'était le bordel. Je suis désolée. Kintra a toujours de bonnes idées. Amuse-toi bien sur Overwatch. What the fuck. Benny. Et namasté, oui, namasté. Ah, quoi? Ça va bien, là? Tu... Allez, hop, le petit art, allez, hop. C'est parti. Quel enfer. Ok. Je suis désolée, du coup, je pense que j'ai loupé un milliard de messages. Je suis désolée. Et je voulais vous expliquer un truc par rapport au planning. Attends, je rêve ou j'ai vu quelque chose bouger, là? Ah non, hein. Ah, ça m'intéresse pas, hein. Allez, la position accroupie, là, direct. J'ai demandé pardon à Cloudaï pour l'accueil inhabituel, je lui ai promis que ça ne se reproduit pas. Merci Zomi, t'es adorable. Mais je crois que quelqu'un a eu le temps de lui faire son SO. Je crois, j'ai vu quelqu'un lui faire son SO, je sais pas si c'est toi. La VAR va kékoriser comme un bout. La VAR? C'est quoi la VAR? La VAR, la varice? Attends là, j'ai vu un truc bouger là. Il y a eu un SO. Ok, d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis perdue. Attends. Vous voyez assez bien le jeu, c'est bon? Parce que j'ai réglé les graphismes normalement pour que vous y voyez quand même quelque chose. Attendez, il y a la souris en plein milieu, là. Voilà. Comment je fais pour passer? Je peux pas défoncer la porte? Je peux pas sauter? Non? Là. Peut-être. C'est la vérification de l'action au foot. Un replay. Ah, ah oui, non, mais si vous me donnez des termes d'anglais, moi, je vais pas y arriver. Je crois pas, je suis dans le tout-dessous, je capte pas trop, des bisous à vous. Merci, Plume, d'être passé, désolé, c'était le sbeul. Mais plus que d'habitude, de manière incontrôlable. J'arrive plus à ouvrir. Ouvre. Donc là, on n'a pas l'air d'avoir de flingue, on n'a rien du tout, c'est super. On n'a rien pour se défendre. De l'eau croupie! On est dans Phasmo! Je reconnais! Pour le coup, c'est hyper connu, la VAR. Ah bah, moi, je l'ai pas. J'ai pas la ref, les bébous, je suis désolée. Je suis désolée, j'ai pas la ref. C'est dans tous les sports globalement? Ah d'accord. Oh bah je connais pas. Par contre, vraiment, genre, je vois rien du tout là. Ça va bien se passer, Senji? Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Avec le coup de speed que je me suis pris là, envie de canner. Ah. Oh, on va descendre dans une cave. Quand il y a un doute sur une action, on fait la VAR pour s'assurer. C'est pas grave, parfois t'as des refs obscurs et parfois tu n'as pas la ref évidente. Comment ça j'ai des refs obscurs? Tu sais, il a pas dit t'as des refs, il a dit t'as des refs obscurs. Super. Génial. Ça veut dire quoi ça? Une photo? Photo. Ah, ça, joyeux. Joyeuseté, oui. Les inconnus, par exemple. Arrête, hein. Arrête, hein. Bon, les inconnus, j'en ai parfois, mais... Ah, putain, il y a des bruits partout. Mais je les ai pas souvent, quoi. Un rat! On est dans les Yerzophir, je reconnais. Ok, je fais quoi maintenant? Ah! Pardon! Bon, celui-là il valait deux. On va pas se. On va pas se mytho. Celui-là il valait deux. Tu connais Caporc ou Gentlemate par exemple et tu connais pas la VAR. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh pétard. Faut que je fasse quoi? Je remonte? Oh, il y a une tête de cerf qui est tombée. Je fais quoi? Je re...
Ah, si vous posez la question, je suis accroupie. Hein. Vous savez que moi, que quand je me chie dessus, je suis tout directement accroupie. Hein. Ah bah voilà, vous voyez, allez être accroupie. Hein. Oui, les prochains dons, ce sont des tests de ma part. Ok, merci, Neipa, t'es gentil. Merci beaucoup, Bébou, de m'aider. T'es gentil, Bébou. Ok, donc je l'ai vu sur l'écran, mais je le vois pas dans le chat et le visuel il a changé alors que j'avais mis don. Je sais pas si c'est normal. Ok. Ah, c'est la journée. On est passé de la nuit à la journée juste en descendant au sous-sol. Hein, c'est pas du tout bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Attends, quoi? Entrejambé. Enjambé, pas entrejambé. J'invente des mots, vite. C'est un très grand sous-sol. Ah oui, il s'est passé des heures en 30 secondes, là. Ouais, c'est porté, c'est... Ok, is ok. Hein. En plus, c'est pas la levée du jour, hein. C'est vraiment genre, c'est la journée, là. Hein. Oh, pétard. Je suis... Oh, j'ai des frissons. Il y a l'air d'avoir un village. En même temps, Resident Evil Village, je m'attendais bien à ce qu'il y ait un village, hein. Ça, c'est pas très très étonnant pour le coup. Ok. Oh, un cheval mort. Génial. Oh, en plus, ça a l'air récent. Et même dans la creuse, certains scientifiques parlent de dilatation spatio-temporelle. L'armoire dans le monde de Narnia. Daniel Chic pour se foutre dans des situations de merde. Ah ouais, ouais. Partie ouest. Alors je rappelle, j'ai pas de flingue, j'ai rien du tout. Hein. J'ai même pas un petit couteau, rien du tout pour me défendre. Ils sont sortis. Cette serrure pourrait être crochetée. Ok, crochet. Qu'est-ce que je peux trouver? Intéressant. Oh, il y a encore ce portrait? Oula, il a l'air d'avoir beaucoup de portraits là. Je sais pas qui c'est cette madame. Il y a un truc qui vient de se faire tirer. Super. Yes. ça avait eu le réflexe, direct je me fous pas. Direct je me fous accroupi en mode non, ça m'intéresse pas. Alors je vous le dis tout de suite, ça m'intéresse pas. Je suis où là? Ok. Bot. Il faut un objet. D'accord. Là, je peux entrer dans les toilettes. D'accord. On peut pas aller aux toilettes. Oh, je suis pas rassurée. Hein. Vous voyez la petite prise de confiance de commencer à courir? Je pense que c'est pas une bonne idée. Mais je le fais quand même. Attends, le truc qui a... Le truc qui a été traîné, je crois qu'il venait de là. Je crois que c'était là. Ouais, c'était là. Attends, mais y a rien dans ces baraques, là. Attends, je suis arrivée là, hein. Non, je crois que j'ai... Non, j'ai pas fait ce bout-là. Attends. C'est là que j'ai vu le truc se faire tirer. C'est là que j'ai vu le truc se faire tirer. Ok. Là, y a rien. Je suis la reine pour me perdre en 2 secondes. On va essayer d'être un minimum organisé. J'ai ma branche de lunettes. J'ai l'impression qu'elle me rentre dans le crâne. Je sais pas si c'est parce que les lunettes sont neuves. Mais vraiment, j'ai l'impression que ça me rentre dans la peau. J'ai l'impression de passer à côté de plein de trucs là, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être la suite. Attends, on va pas aller là tout de suite. C'est ton casque qui appuie dessus? Non, même pas, c'est juste les lunettes de base. Même sans le casque, ça me le fait. Parce que je me suis fait la réflexion tout à l'heure, j'ai enlevé le casque justement pour voir et c'est juste vraiment la branche
en elle-même de la lunette qui m'en rentre dans la peau. C'est très mal. Oh, il y a le doudou de ma fille. Qu'est-ce que ça fait ici? Ah bah oui. Oui. Non. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Ah, je peux pas l'ouvrir ça. Je peux y crocheter ou pas? Non, je crois pas. Bon, en tout cas, on a déjà trouvé un endroit qu'il faudra crocheter. Donc ça veut forcément dire que dans la logique, je vais revenir en arrière par là. Le problème, c'est que je trouve aucun objet. Alors, je pense que c'est fait exprès. Mais... Donc je suis à poil, je suis pas particulièrement rassurée là. Je peux passer par là ou pas? Oh, il y a une bête. Et un sanglier. Ok, je peux pas passer par là. Ça va, 4 bouts, je trouve que jusqu'à là, ça aurait pu être bien pire. Ouais, ouais. Ou c'est bien comme ça, ça me va, hein. It's ok, hein. Do not enter. Bon, je peux pas passer, défense d'entrée. Au début, il y a un moment de paramétrage. Oh oui, c'est sûr. Ça va venir, t'inquiète. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, merci beaucoup. What the fuck? Attends, quoi? Il y a 3 raids en... Let's go, let's go, let's go, let's go. Attends, quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer, là? What the fuck? Attends, quoi? Il y a 3 raids en même temps? On raid en... Vous allez... Let's go, let's go, let's go, let's go. What? Ça a envie de me mettre en PLS, là? C'est quoi, le bordello des bordello? Mais quoi? Non, mais en fait, ce soir, c'est le stream du Zbeul, en fait. Je vais jamais réussir à faire quoi que ce soit. Mais merci, les pépous. Attendez, qui a... Bienvenue, petit Renardo. Attendez. Je mange personne. À l'aide. Non, mais je vais canner, hein. Je vais canner, hein. Ça va pas aller ce soir. Merci beaucoup. Merci, Madi12. Merci, Nicolo. Toi, je sais qui tu es. Tu streams souvent avec elle, justement, sur Resident Evil. Je t'ai repéré. Toi, je sais qui tu es. Et Clem, je sais qui tu es aussi, tu t'amuses à me faire peur à chaque fois. Bonjour le chat. Bienvenue petit Renardo, promis, je mange personne. Alors attendez que je vous explique, que je vous explique la situation. Merci beaucoup pour tous les follow, vous êtes adorables, merci beaucoup les bébous. On vient de commencer Resident Evil 8, et je me suis rendu compte que j'avais une alerte qui buguait, et ça fait 15 minutes que je suis dessus à m'énerveille. Mais là ça y est, j'ai enfin décidé d'avancer, il y a Daipa qui est en train de m'aider. Merci beaucoup pour les 3 raids, mais vous êtes des gigacracks, merci beaucoup, c'est trop gentil. Je me présente, je vais essayer, c'est compliqué à chaque fois, mais je vais essayer. Je m'appelle Senchi, ça fait 8 mois que je suis sur Twitch, vous me connaissez un petit peu quand même vis-à-vis de D12, parce que je suis quand même souvent dans les parages, hein, on va pas se mytho. Je fais du multigaming, je propose principalement des soul-like, mais je fais également pas mal de jeux d'horreur récemment, soit des jeux classiques Walking Simulator, soit des jeux de survie. On est justement en train de découvrir Resident Evil 8. Je fais également des jeux narratifs et je fais un petit peu d'aventure. Voilà. Et c'est le Zbeul, comme d'habitude. Voilà. 3 raids bordello. Vous m'avez cassé le cerveau, quel enfer. Voilà. Et oui, et donc il y a plein de tests d'alerte dedans parce qu'en fait on s'est rendu compte que le truc ne fonctionnait pas. Voilà. Donc du coup ça m'a foutu en PLS. Est-ce que je me suis bien présentée? J'espère que oui. Didou, c'est un peu comme un bout de mont à la menthe, frais, sucré avec une pointe de frisson. Entre Tomb Raider et Silent Hill. On fait couper la voix. Non mais vous le dites si je vous emmerde. Tu vas faire pépé qui là? Je peux finir le SO de la copine ou ça se passe comment? Cette streameuse te fait vivre des aventures épiques tout en te glissant quelques frissons dans le dos. Si tu cherches un endroit sûr pour pleurer sur Lara Croft et crier sur des fantômes, c'est ici que ça se passe. Ton SO est toujours incroyable, je trouve. Hein. Merci, mais vous m'avez cassé le cerveau. Là, vraiment, ça ne va pas ce soir. Hein. C'est le premier stream de la semaine. Il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui va. Bonsoir, Dame Denchi. Coucou, Rome. Bonjour, tout le monde. Bonjour, tout le monde. Alors ensuite, les autres SO. Alors, Nicolo. Un streamer en devenir qui semble avoir un point faible pour les frissons et les nonnes. Ouh, touch my tralala. Autre Phasmo. Tempête et forêt sauvage. Ça, c'est parce que je crois que vous faites... comment ça s'appelle? The Forest ensemble. Cette âme aventurière explore des mondes variés, souvent en bonne compagnie, effectivement, avec D12, prête pour une nuit terrifiante. Très bien pour toi, SO.
Et ensuite, Clem... You touch my tralala. Mmh, ah bah tout à fait, hein, c'est la meilleure alerte à placer. Alors Clem, c'est le roi de l'horreur et de l'aventure sur Twitch entre chasse aux fantômes endiablés et escapades dans des mondes terrifiants. Ce streamer français met l'ambiance avec humour et bonne humeur. Préparez-vous à frissonner de plaisir et un peu de peur en sa compagnie. Et bah ils sont très bien vos SO les bébous. Coucou Senchi, coucou War Diable, excusez-moi, je rattrape le message. Je vois pas de quoi tu parles, ouais ouais, c'est pas toi qui a claqué, hein. Qui a claqué 1000 bits l'autre jour pour me faire hurler de terreur, hein, on va dire ça. Oui, c'est ça, enchantée de te découvrir. Et ben également, je t'avais déjà follow l'autre jour quand vous étiez sur Resident Evil 5, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Merci encore pour tous les follow, merci beaucoup, vous êtes adorables les petits bouts. Merci beaucoup. Coucou, désolé du retard, le raid a pas marché. Il y a aucun problème, ne vous excusez pas les bébous. C'est très gentil d'avoir pensé à moi déjà. Merci, merci de les avoir fait, tout à fait. Attendez, je rattrape. Tant pis pour la ranquette, c'était plus important. Il y a des priorités dans la vie. Je suis seule, c'est bon, je peux suivre. Pas de soucis, Hello, il aime trop les nonnes. Comment ça, t'aimes les nonnes? Faut m'expliquer ça. Comment ça, il aime les nonnes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, t'aimes les nonnes, bébou? Alors attendez, je vais reprendre. En tout cas, merci beaucoup encore une fois, mille fois. Merci pour les 3 raids. Merci pour tous les photos, vous êtes adorables. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est ce premier stream de la semaine commence difficilement. Le cerveau a du mal à suivre. Entre l'alerte qui n'a pas fonctionné et les raids, là, je... Oh, j'ai envie de poser le cerveau, là. C'est compliqué, hein. Nicolo, regardez, regardez, j'ai enfin réussi. Ah, t'as réussi, Naipa? Attends, qu'est-ce qui marche, bébou? Je vois pas. Attends, faut que, peut-être que je mette en plus grand l'alerte, attends. C'est toi qui as mis le requin parce que j'avais mis l'image de... Attends, attendez 2 secondes. J'avais mis l'image du don, bébou. C'est toi qui as changé? Attends. Rafraîchis la page. Quelle page? Parce que je peux pas rafraîchir OBS, je suis en plein stream. Comment je fais? Attendez. C'est là? J'ai cru que j'étais folle. Attends, rafraîchis la page. Attendez, 2 secondes. Attendez. Attendez, oh, j'arrive pas... Non mais là, je vais pas y arriver, hein. Entre l'alerte, les raids, Nico qui me parle à travers la porte... Non mais je vais pas y arriver, hein. Non mais aidez-moi, hein. Attendez. Je crois que c'est bon, attends. Je crois que j'ai juste coupé l'alerte sans faire exprès. Attends, bébou. Tu as réussi? Tu as réussi, bébou? Rafraîchis la page. Pardon, du coup, j'ai tourné pile la tête au moment du test. J'ai rien vu. Il y a pas le son, il y a pas le message dans le chat. Alors moi, j'ai entendu le son dans mes oreilles. Vous l'avez pas entendu? Attendez. Attendez, les bébous. Vous l'entendez pas? Quand c'est un vrai don, tu n'as pas de message de chat. Il lui faut 3 raids pour qu'elle soit perturbée. Oh, il me faut juste un bug d'alerte pour être perturbée. Hein. Il me faut pas grand-chose pour être perturbée, bébou. Hein. Il n'y a même pas besoin d'un raid pour me perturber. Mais alors là, c'est pire. Hein. Je vais vous abandonner, je vous fais plein de bisous, je m'éclipse. Pas de soucis, Maddy 12, repousse ça bien. Merci encore à tous les 3, c'est gentil. Mais le bot est actif et fait son boulot. D'accord, donc ça va fonctionner quand il y aura... Ah oui, je vois, a fait un don et blablabla. Bla bla. D'accord, ok. Juste, je refais un emulate pour juste vérifier que je l'ai bien paramétré moi de mon côté sur OBS. Merci beaucoup de m'avoir aidé, Naipa. T'as réussi à mettre orange? Hop. Petit cadeau, petite Senchi. Vous l'avez entendu ou pas, là? C'est juste pour vérifier ça et après je relance. Oui? Oui, vous l'avez entendu. Ok, super. Merci beaucoup, je suis désolée, je gère 3000 futs, trucs, 3000 futs. Alors, je gère des futs de bière. À côté du stream, j'ai une petite boutique de bière. On me propose de la bière sans alcool et avec alcool. J'ai mon orange avant que tu voulais que je mette tout en orange. Non, c'est parfait comme ça, bébou. Attendez. Hop. Voilà. Je vérifie, de mon côté, 3000 fûts. 3000 fûts de bière, et bah dis donc. Ah ouais, ouais, hein, quand je consomme, je consomme pas qu'à moitié. Et hop, petit cadeau, petite Senchi. Ok, c'est bon. Faut juste, moi, que je... Voilà, pour pas que ça soit coupé.
Ok, c'est bon. On se met dans le jeu. On arrête de toucher à tout. Naipa, merci infiniment de m'avoir aidé. On y va. C'est parti. Merci beaucoup pour les raids. Merci beaucoup pour les follow. Merci pour tous les bébous. On va s'en sortir. On va réussir à avancer sur putain de jeu. Oh, le jeu maudit. 1h18 de stream. J'ai dû faire 20 minutes dessus. Quel enfer. Merci beaucoup, Naipa. T'es adorable. Merci beaucoup pour tout. C'est très gentil. Alors, je voulais vous expliquer un truc. Et je crois que c'est le moment parfait pour expliquer ça. Zomi m'a fait une suggestion, comme il fait souvent des suggestions, c'est d'arrêter de me foutre la presse. Attendez, je me fous en jeu de chatting 2 minutes pour vous expliquer. D'arrêter de me foutre la pression pour faire tel jeu en tant de temps. Parce que, justement, les aléas du direct font que par moment, je perds 30 minutes à faire des conneries. Genre cet exemple parfait de ce qui vient de se passer, où j'ai perdu je sais pas combien de temps sur mon alerte. Et du coup, des fois... Je savoure même pas le jeu que je suis en train de faire parce que je suis juste en mode j'avais estimé qu'il allait me prendre 20h, ça fait 20h30 que je suis dessus, il faut que je me dépêche. Et souvent les débuts de stream, quand c'est la journée, par exemple que je fais des raids, des streams le matin, je suis en mode oui oh papa, oh là là là, la vie est belle, oh là là là. Et au bout d'un moment, quand je vois que ça fait 6h et que j'ai pas avancé sur le jeu, je commence à me foutre la pression, à me dire putain j'ai pas avancé. Et du coup, mon planning il est trop structuré, il est trop... prochaine semaine, tu t'auras terminé ce jeu, du coup tu commences celui-là et tu fais ci, tu fais ça, bref. Du coup ça me fout la fraise, mais je suis la spécialiste pour me foutre la fraise. Donc, il m'a conseillé, et je vais essayer dans la mesure du possible, de juste me dire, je commence un jeu, j'estime qu'il va faire 20h, j'estime qu'il va me prendre 4 streams, et bah si au bout de 4 streams j'ai pas fini, c'est pas grave, mais j'aurai quand même une vision globale de mon mois, où je saurais que, par exemple, après tel jeu d'horreur, je ferai tel jeu, qu'après tel Souls, je ferai tel Souls, qu'après tel jeu narratif, je ferai tel jeu narratif, parce que souvent, c'est toujours les mêmes catégories qui reviennent sur ma chaîne. On fait des Souls, on fait des jeux narratifs, on fait des jeux d'horreur, on fait des jeux chill. Donc, je vais essayer de lâcher du lest. Ouais, je vous jure, je vais essayer. Je vais essayer. Mais c'est vrai que des fois... J'ai envie de vous parler, j'ai juste envie de faire pause, de mettre en jeu chatting comme là. Et du coup, je suis en mode, oui, mais non, il faut que j'avance sur le jeu, du coup, je n'ose pas. Donc, j'essaye, tranquillement mais sûrement, de... C'est comme un verrou, ce que je disais à Zomi, je suis un verrou qui se déverrouille progressivement, à force de crocheter, ça finit par rentrer dans le cerveau. Donc, voilà. Donc, du coup, quand vous me demanderez les plannings à venir, je serai peut-être un peu plus évasive, je saurai quels jeux seront à la suite... Mais je vous dirai pas le samedi 12 à 9h on commence tel jeu. Parce que du coup je me fous une pression énorme et du coup c'est contre-productif. Surtout quand il y a des moments où j'ai juste envie de parler avec vous. Je sais absolument pas si mes explications étaient claires. N'hésitez pas. Zomi a raison. Mais oui Zomi a raison. Je sais qu'il a raison. Mais je suis un peu têtue. Je suis un petit peu têtue. Donc voilà, progressivement le petit cerveau commence à comprendre ce genre de truc. Ça va venir. Mais voilà, j'espère qu'avec ça, je me foutrai un peu moins de pression et que je serai juste en mode « Bon bah écoutez, si le chat a envie de discuter pendant 20 minutes et qu'on arrête le jeu et juste pendant 20 minutes on discute, et ben on pourra le faire. » Voilà. Fermé suite à la disparition du propriétaire. Donc j'avais pas eu le temps de vous l'expliquer encore parce que ça s'était pas passé. C'est verrouillé. Ok, je peux pas rentrer. Donc on verra advienne que pourra. En tout cas, je vais essayer de finir quand même Resident Evil 8 le plus vite possible et après pour les prochains jeux, on verra comment ça se passe. Alors, je vois le cadenas et je vois... Ok. Bonjour Senchi, bonjour Alta, bonjour Bébou. Oh, il y a une lumière. Est-ce que je peux la prendre? Il doit y avoir un moyen de casser ça. Couteau, c'est bon. On a le knife. Bon, c'est un petit knife. Hein. C'est un petit knife de cuisine. Mais... Remède de premier soin. C'est bon. Ouvrir l'inventaire. Ok, on a le knife, un couteau usé avec une grande lame. Oui, bon bah ça fera le café. Hein. Certains objets peuvent être détruits. Oui, je sais ça. Ah mais je peux pas prendre la lanterne, je pensais que je pouvais prendre la lanterne moi. C'est une chine aux pressions. Ouais, on va essayer. Comment ça va Alta? Merci encore Naipa de m'avoir aidé pour le don, merci beaucoup, c'est très gentil à toi Bébou. Merci beaucoup. J'ai bien fait de te laisser les droits sur ça, knife. Le knife. Pourquoi je dis le knife? Oui, oh, le knife. Vous savez, hein, faut pas se bloquer sur une seule version. Hein. On peut avoir plusieurs versions d'un même mot. Hein. C'est important. Hein. C'est important de se... Comment dire? De se... Oh zut! De se renouveler. Ça va, merci. Et toi, ça va mieux? Oui, ça va mieux, merci. Alors, c'était un peu beaucoup le bordel en début de stream, mais ça va. Ça va aller. Ça va bien se passer, on va s'en sortir. Merci beaucoup, Alta.
Mais oui, ça va mieux. J'ai ma crise d'endo est passée, heureusement. Ok, alors, nous avons le knif. Ok? Ou le knife? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Courir! Prendre la confiance! Et s'en prendre plein la gueule dans 2 minutes! Oui, je pense que c'est ce qui va se passer. Ok? Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Merde! Quoi, merde? Ah, merde! Je peux plus sortir? Ah! Comment ça, je peux plus sortir? Coucou Tis! Bonjour, bonjour! Comment ça va, bébou? Attends, comment je fais? Attends, mais... c'est pas une vraie question, je me parle à moi-même. Je précise. Est-ce que je peux couper ça? Je peux pas couper ça. Ah, ouvrir! Suffisait de faire... Ah! Little couillonne! C'est tout... Ah! Non, non, non. Putain! Pardon! Qui êtes-vous? Oh, le bâtard, m'a fait peur. Personne. Il y a eu un accident sur la route. Toujours, je suis en train de me marrer. Je me prends un truc qui pète à la gueule. Toujours pareil. C'est quoi ces bruits? Attendez, j'ai un bug de... Je vois plus mon écran. C'est toujours pareil, c'est toujours quand je suis en train de rire ou raconter ma vie que je me prends un truc. Tu veux pas me donner ton gun? Ils arrivent. Qui arrive? Qui ça? C'était quoi ce bruit? Vous avez un flingue? Quoi? Non. Dites-moi que vous avez un flingue. Non. Pourquoi? J'ai un knif. J'ai juste un knif. Je passe en lurk, pas de soucis, Kiss. Pas de soucis, bébou. C'est toi qui presse. Prenez-le. Prenez-le. Attends, ça va vraiment commencer là maintenant tout de suite? Je crois qu'il s'en bat les couilles, hein. Oh! On a un petit pro... Ah! Ah! Ah, 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 quoi? C'est toi, Spike, qui disait « Oh, 4 compteurs debout, bla bla bla, t'inquiète, ça va augmenter en... Ah » Ça va augmenter en 2 secondes, hein. Un cadavre. Oh, sans bec. Ah, puis il n'y en a pas qu'un en plus, hein, surtout. Il y en a d'autres. Oui, il y en a pas d'autres. Oui, il y en a d'autres. Oigné. J'ai 10 balles. J'ai 10 balles, on va garder le knif pour l'instant. On va garder le knif, faut pas gâcher les balles. Faut pas gâcher les balles. Oh, pétard. Ah oui, vous pouvez mettre la couche culotte. C'est le nouvel émote, regardez les bébous, il y a un nouvel émote. Rome, Clem, vous l'aviez pas vu encore. Il y a les mots de couche-culotte. Oh la vache. Monsieur, il est pas très frais. Ouais, non, je vais pas dire. Oh, mais ils sont combien? Il y en a au moins 10. Mais putain, c'est quoi cet endroit? Bah, c'est l'enfer. Ah, ah, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc. Ah! Putain. Mais c'est quoi ça? On dirait un loup-garou! Ah! Il m'a arraché les doigts! Ah putain! Ah! C'était quoi, bordel? Oh! Le flingue! Le flingue! Là, je n'y vais pas au knif, j'y vais au flingue! Le flingue! Le gun! 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 Dans la tête! Ah, 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 ah! Vas-y, le knif, le knif, le knif! Ah, ah, protégez, protégez! Non, je crois que ça a pas trop marché! Ah! Je me fais bouffer, au secours! Allez, vite! Meurs! Meurs! Je crois qu'il s'en fout de mon couteau de chat. Oui, je crois qu'il m'en fout. Ah oui, je crois qu'il s'en fout de mon couteau, hein. Ah, je crois que ça marche pas trop, le couteau, hein. Je crois qu'on va y aller au bal, hein. Dans la tête! Putain, mais il lui faut combien de balles, bordel? 4 balles? 5 balles? 6... Ah, non, j'ai raté la balle! Non, j'ai raté la balle! Ah 5 balles? 6 balles? Putain, il faut 6 balles pour le buter? Plus du couteau? Mais on est dans la merde, bordelo! Ce bordel. Putain! Alors... Ah, je confirme sa gueule, hein, Max. Ah, bah, tu l'as demandé, tu l'as réclamé, tu l'as, voilà. Miam, coucou méchant capitaliste. Oh, bah, tu t'éclates avec les émoticônes. Oh, quelle affaire, toujours la même main qui prend tarif. Mais t'as vu? Alors, par contre, on voit toujours son alliance, hein, bizarrement, mais il est pas beau, hein. Ah non, il est pas beau, hein. Oh, pétard. Mais attends, il lui faut 6 balles. Non, mais attends, si tous les ennemis leur font 6 balles, je suis dans la merde, hein.
Bon, après, je suis en normal. Je sais que Resident Evil 7, le premier que j'avais fait, c'était 7. Enfin, c'était facile, mais... C'était en facile, mais il fallait quand même pas 6 balles pour tuer quelqu'un. J'adore les émotes. Je vis pour les émotes. Je vois ça, mais bon. Coupe-boulon. Ok, on a le coupe-boulon pour les cadenas. Ok. Comment vas-tu, méchant capitaliste? Ton nom me fait tellement rire. Ok, on peut plus passer par là, on est d'accord, hein. Attends. Non, je peux plus passer par là. Je peux plus passer par là. Oh, pétard de Dieu. Ok, je peux casser... Je peux ouvrir ça. Je peux ouvrir ça. Coupe-boulon. Vas-y. Je suis un émote. Tu es un émote. Eh ben, dis donc. Tu es un émote. Merci beaucoup pour tes bits, bébou, parce qu'en mettant les émoticônes en grand, ça soutient la chaîne, donc merci beaucoup, bébou. Fluide chimique. Ok. Pouvant être combiné. Ok, ça, c'est pour faire des soins. Il me faut des plantes. 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 Ok, j'ai une plante. Ok. On peut faire un remède? Ok, on peut faire un remède. Il me faudra de la poudre noire. Ok, c'est pareil que Resident Evil. Je vais bien, merci et vous? Oui, ça va. On va dire ça. On va dire que ça va à peu près. Hein. Le cerveau est en déperdition totale, mais ça, j'ai envie de soutenir, c'est comme d'habitude. Quel enfer. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses? J'ai combien de balles? J'ai 10 balles. On va pas aller loin avec 10 balles, hein. S'il en faut 6 pour les méchants, mais 10 balles, je vais pas aller loin. Oh pétard. Ok, je suis là. Partie est. Ah oui, je suis bloquée en fait. Je peux plus revenir en arrière. Comment je vais faire pour revenir en arrière? Quel enfer. Attendez. J'ai un truc qui vient de popper sur mon écran. Super. Je vois plus le chat. Voilà, c'est bon, je vois le chat. Je vais bien, ouais. Non, non, t'as pas l'air d'aller bien, bébou. T'as pas l'air d'aller bien, bébou. Attends, mais prom-doc, je peux pas revenir en arrière? Attends. Attends. N'allons pas trop vite. Non, je crois que je peux pas revenir en arrière, en fait. Je pense que ça doit être fait exprès. C'est pas une vraie question, je me parle à moi-même, hein. Non, je peux pas y aller. Je pense que je peux pas y aller, ça doit être scénarisé, ça doit être normal. Bon, on a le knif, on a un gun. Le petit vieux, bah, il est mort, du coup. Ok, alors, partie est. Par contre, je suis vraiment dans la merde, hein, s'il faut autant de balles pour chaque ennemi, hein. Je vais sortir ma chienne, pas de soucis, Hello. Pas de soucis, bébou. Il y a une radio. Ouais. Ah, rien. D'accord. Super. Munition pour pistolet. Ok. Ah, il y a l'air d'avoir des quelque chose en haut, par contre. Vous pouvez utiliser les étagères pour barricader les portes. Comment je fais? Maintenir. Oh pétard, je mange du poulet à la mexicaine, il y a un volcan dans mon estomac. Ah oui, bah tu m'étonnes. Mais attends, c'est vraiment une bonne idée de se barricader alors qu'il y a l'air d'avoir un truc au-dessus. Putain. Je suis pas sûre que ce soit la super meilleure idée du monde, en fait. Oh pétard. Ouais. Munitions, ok. Oh, 15... Oh, quoi? J'ai vu qu'avec de la compote... Attends. Attends. De la compote, ça aide. J'ai fait de la compote à banane, mais ça mange pas de ouf. Ok. Je crois que tout le monde veut me grailler, là. Au secours. Au secours. À l'aide. Je fais quoi, là? Ah! Oh putain! Une balle! Deux balles! Trois balles! Quatre balles! Cinq balles! Six balles! Non, j'ai raté! Ah! Ça s'appelle la panique! Oh, mais arrêtez de me grailler là! Je suis pas un Kinder Country, bordel! Laisse-moi!
Putain, mais il en faut combien de balles, bordel? Mais il faut beaucoup trop de balles! Il faut beaucoup trop de balles pour en buter un seul! Je peux sortir par là? Non, je peux pas. Oh, super! Ça y est. C'est fini. Non, mais attends, j'ai gâché combien de balles, là, sur lui? Non, mais attends, vous déconnez, là? La maison près des champs. La maison près des champs. La maison près des champs. Ok. Tu devrais manger son cadavre pour rentabiliser. Je vais éviter de bouffer des cadavres. Je crois qu'il veut te bouffer toi et pas la compote. Hein, je suis pas encore dans le cannibalisme. Hein. C'est quoi comme spécimen? Je sais pas, on verra bien. Justement. C'est tout l'intérêt. On verra bien. En tout cas, ils sont space. Ça me fait plus peur des trucs comme ça que les monstres de Resident Evil 7. Hein. Vas-y, pousse la porte. Ok. Je vais passer là. Ça reste des protéines. Ouais, bah vas-y, va bouffer. Va bouffer des monstres. On en reparlera. Je regarde. Moi, ça m'intéresse pas d'aller bouffer des monstres. Vraiment pas. Oh là là, ça grouille de partout. Mais quel enfer! Vous pouvez pas me donner des munitions là? Oh putain, il y en a un là-haut. Oh bordel. On va peut-être pas aller là tout de suite. Hein. Déjà manger des choses, tu veux pas savoir? Non, je veux pas savoir. Ça m'intéresse pas, je veux pas savoir. Oh pétard. Ok, bah, on va leur viser la tête là. Une balle. Ok. Quand il propose dans un jeu de courir, c'est pas bon signe, hein. Et merde. Et merde. Ah! Putain, il va vite. Oh! Il y en a trois! Il y en a trois! Il y en a trois! Non, 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 non. Il y en a trois, 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 il y en a trois. Il y a un fusil, il y a un fusil, donne, donne, donne. Putain, oh putain, le fusil, le fusil. Oh putain, attends, 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 attends. Les munitions, poudre, se gratter le nez, se gratter le nez. Quoi? C'est plein de farine. Percer pour aveugler, quoi? C'est plein de farine, comment ça? Comme ça? Ah, je crois que j'ai raté mon effet. Ok, j'ai deux balles. Pas des gens, hein, n'appelez pas la police, hein. Ouais, ouais. Merde! Je me suis trompé de bouton, je voulais fermer la porte. Tiens! Voilà, ça c'est une balle bien utilisée. Ah, 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 ah! Mais comment je fais? Ils sont beaucoup trop là!
Ok, ok. Peut-être qu'il faut que j'essaye de faire péter ça, je sais pas. Non. Au secours. Au secours. Mais au secours, c'est quoi ce début de jeu dans l'enfer, là? Mais quoi? Mais quoi? Mais au secours! Nancy! Non, pas des chiens! Au respect! Au secours! Au secours! Mais ils sont je sais pas combien! J'ai plus de... Mais what? Mais attends, c'est scénarisé, c'est pas possible. Ah bah oui, non mais c'est scénarisé, en fait, c'est ça rien que j'essaye de les buter et de gaspiller des balles, je crois. C'est scénarisé, là, c'est pas possible. Oui, on va pouvoir faire une alerte au secours, je crois. Oui, moi aussi. Mais c'est quoi ce bordel? On dirait celui de X-Men. Le grand savant, là, le scientifique, je sais plus comment il s'appelle. On dirait qu'il ressemble à Winston. Au portel. Ouais, non, mais c'est obligé que ce soit scénarisé. Ils étaient 3000 sur ma gueule. Je crois que j'ai gâché des munitions, là. Ah oui, oui, je pense que j'ai gâché des munitions, là. Mais quel enfer. Oh, j'ai même carrément une flèche dans le... Oui, ouais, c'est super. Hein. C'est super. Oh, c'est super, on adore. On attend. Et puis il manque des doigts accessoirement. Hein. Rien qui va. Quel bordel. C'est quoi ces buts de jeu là? C'est l'enfer. C'est quoi ces buts de jeu? Ah, il s'est fait un bandage. D'accord, oui. C'est qui celle-là? Attendez. Non, mais elle a pas forcément l'air gentille. Hein. On ne l'attend pas. Hein. En pétard de Dieu. Survive à l'assaut des lycans. Ah, c'est des lycans! Ah bah voilà, j'étais pas loin quand j'ai dit loup-garou. Oh pétard, mais quel enfer. Attendez, faut que je bois, là. Faut que je bois. Oh putain, attendez. Tommy, tu me feras penser à faire une alerte au secours avec tout ça. C'est scripté, fallait juste tenir un timelapse. Oui, bah du coup, là, j'ai bien compris. Oui, effectivement, bonjour à toi. Bienvenue dans le chat, bienvenue. Oh, mortel ce jeu. Ah oui, c'est Père Noël, c'est un surhomme. Dans Resident Evil 7, il avait déjà perdu sa main. Ouais, non, mais le mec, il a les mains qui repoussent, on dirait un lézard. Tout va bien. Ouais, étirement, ouais. Coucou, bande. Oh, putain. Je vais essayer d'y penser, j'ai coupé Discord et là, je commence à être KO. T'inquiète, mes cris vont te tenir éveillé. T'inquiète, bombez-vous. Ah non, par contre, ce qui me frustre, c'est que j'ai gâché des balles. Bon, alors attendez, du coup, on va refaire tout le tour parce que... Quel enfer. Oh, ce début de jeu, là. J'ai mis plus 10 au compteur debout, mais je pense que ça vaut encore plus que ça. Hein. Oh, pétard. Attendez, on va prendre le temps de fouiller bien correctement avant de continuer parce que je pense que... Ouais, j'ai dû passer devant un milliard de trucs dans la panique. Oh, quel enfer. Puis moi, j'avais pas compris que c'était scripté au début parce qu'au début, tu en vois 2-3 arriver, bon... Quand j'ai vu le géant, je me suis dit, oh, il y a peut-être moyen que ce soit scripté, hein. Mais j'étais pas sûre encore. Donc du coup, ça, il faut que je retienne la farine, ça permet de les aveugler. Donc ça peut être un game changer, je pense. Oh, pétard. Après, au pire, si... Rome, je sais pas si t'es encore là, je sais que Rome, t'aimes bien mettre des messages sur le Discord. Est-ce qu'au pire, tu peux me mettre sur Blabla? Pensez à sélectionner l'alerte au secours. S'il te plaît, bébou, je sais pas si t'es encore là ou pas, ou si t'es juste en lurk, ou si t'es plus là, je sais pas. Je vois pas qui est présent sur le chat, mais si jamais. Attendez, on est allé là ou pas? Je sais même plus où est-ce que je suis allé ou pas. Quel enfer! Je me suis tellement fait courser. Kiki quoi? Sinon, Spy, oui, Spy, si ça te dérange pas. Est-ce que tu peux me mettre un message sur Discord, sur Blabla? Et tu mets penser à sélectionner l'alerte au secours. Parce que je pense que, comme a dit Zomi, avec les milliards de au secours que j'ai dit, je pense qu'on peut faire une alerte au secours, là. Ça me sert à quoi d'aller là? Un point de vue?
Hein? Quel est l'intérêt? Survivre, peut-être? C'est peut-être déjà pas mal. Ok. Je pense qu'on peut continuer. Oh, quel enfer, putain. Je pense à mettre l'alerte au secours. Oui, parfait! C'est parfait, mon petit spy. Merci, t'es gentil. Merci, bébou. Parfait. Parfaitement parfait. C'est juste un pense-bête. Oh, il y a la vieille, là. On peut la chlasser? Oh non, il me laisse pas la chlasser, c'est dommage. Nous te rendons. Bonsoir, gens de bonne famille. De bonne famille. Madame. Coucou, Linda Miss. Restez pas ici, c'est dangereux. Oh, je pense qu'elle s'en fout, la madame. C'est quoi, ça? Hé, hey, vous m'entendez? C'est toi, le père de l'enfant. L'enfant? Attendez, vous parlez drôle. You touch my tralala. My ding ding dong. Je suis pas sûre, la Linda Miss. Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. Mais de quoi vous parlez, de ces monstres? Quoi? Donc ce serait parce qu'il y a Rose qui est là qu'il y a des monstres? La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent. Attendez, où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glas sonne pour nous tous. Ça y est, ils reviennent. Ils reviennent. Super, yes. Rose est ici. Elle aussi, elle a le rire de sorcière. Hein. Si on compare mourir et le sien, je crois qu'on n'est pas loin. Quel enfer. Le cake vanille, j'ai fait, est bon, mais manque de sucre. Après, j'adore le sucre, genre en perf. Bon, au pire, t'en rajoutes dessus, mais du sucre glace, non? J'espère que Petite Banane lit pas le chat. Mais que fait la police? Très bonne question. Le sucre glace, ça passe bien des fois sur les gâteaux si c'est pas assez sucré. Enfin, moi, j'en fais jamais des gâteaux, donc je suis mal avisée pour vous donner des conseils, mais moi, je suis là pour bouffer les gâteaux, pas pour les faire. Ça m'intéresse plus. Oula, un cercle d'invocation. Oh, c'est super. Vous êtes cru d'en face, moi, là? Quel est le délire? Alors, attendez. Est-ce que j'ai pas récupéré des trucs pour se faire des remèdes? Si, parce que là, on est quand même un peu dans la merde, hein. On va pas se mytho, hein. Ouais, ouais, on va se faire des balles aussi. Voilà. On a deux remèdes et on a des balls. Elle est meilleure que toi en sorcière. T'inquiète. On verra si tu continues à dire ça jeudi. Oh, lycan, loup démoniaque légendaire. Venez nous dévorer, venez manger notre chair. Alors en principe, c'est plutôt moi qui bouffe les âmes des ennemis plutôt que l'inverse, hein, si ça vous dérange pas trop. J'aimerais bien qu'on reste sur ça. Le sucre dedans, c'est mieux, donc la prochaine fois, j'ajouterai du sucre. C'est un test, prochaine tentative, chocolat. Oh, t'es en train de me donner faim, bébou. C'est pas bien, ça, hein. Enfin, quoi que je dis ça, je vais manger un bon repas ce soir. Bon, en tout cas, désolé si j'ai perdu du temps tout à l'heure sur les alertes, mais je pense que vous me connaissez suffisamment maintenant pour savoir que ce genre de truc, ça me trigger et que j'ai besoin de régler le truc, sinon ça me stresse. Donc, désolé si j'ai perdu du temps. Je sais que vous m'en voulez pas, normalement, parce que vous êtes gentil, bébou, mais je m'excuse quand même. Faudra que j'envoie un message à la Kudai aussi. Je crois que la sorcière va avoir peur jeudi. Ah, mais je vais me chier dessus, littéralement. Hein. Ah, ça va être sympa. Hein. Ah, vous allez pouvoir spammer l'alerte couche, hein, je pense, un jeudi. Ça va être quelque chose. Hein. Ça va être... ça va être grandiose. Voilà, l'air de don, c'est quand même important. Bah oui, c'est... Je me dis, si quelqu'un fait l'effort de faire un don et que je le vois pas, ça la fout mal quand même. Hein. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de le faire. Parce que là, t'as fait gaffe, mais aussi bien tu l'aurais pas dit, j'aurais pas vu. Donc... pour ça, il faut absolument qu'il y ait une alerte. Tu viens manger quand tu veux, après je pense que ce serait plus rentable de commander un truc par chez toi. Je me souviens plus, Spy, tu m'as dit vers où tu vivais ou pas? Je sais plus. Enfin, t'es pas obligé de répondre. Précise quand même. Interagir, il faut un objet. Ah, c'est comme l'autre. C'est comme l'autre au début de jeu. D'accord. Ferraille. Bonsoir à tous. Coucou Jim. Comment ça va, bébou? Moselle. Ah, Moselle. Jim, je sais pas si... Je crois que c'est la dernière fois que t'étais là où j'avais regardé depuis combien de temps t'étais là et j'avais dit « Oh, mais on dirait que ça fait beaucoup plus longtemps et t'avais pas réagi, bébou. » Du coup, je savais pas si tu m'avais entendu parce que je crois que t'étais en lurk à ce moment-là. Merci d'ailleurs d'avoir attrapé toute la VOD de Resident Evil 7 et d'avoir fait plein de clips. J'étais trop contente. Trop contente. Ah, il y a un objet. Déjà parce que ça me fait gagner du temps et parce que j'avais déjà fait la sélection des clips, j'avais complètement oublié que j'avais craqué mon slip avec le bras. Du coup, ce matin, j'ai repris la VOD et j'ai sélectionné ce moment-là. Donc vraiment, les clips, ça m'aide énormément à me situer parce que je vous avoue que quand on enchaîne les heures de stream, je ne sais plus ce que j'ai fait ou pas. Donc, merci.
Ok, il va falloir mettre des objets là. Ouvrir la porte du château. Si j'ai réagi en disant que c'est parce que j'écris beaucoup dans le chat. Ah oui, c'est vrai, pardon. Non, mais c'est juste moi qui suis Little Couillonne. J'oublie juste les trucs, pardon. Oh, il y a une biquette. Ces chefs protègent notre village et ses habitants du mauvais œil. Quiconque les détruira subira la colère de Mère Miranda. Détruire une chef protectrice. Oh, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Putain, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Le papillon attiré par la lumière. Spy dernier follow le 609. Ah oui, ça va faire bientôt 2 mois, ça va vite. Hein. Coucou Luna, comment ça va Luna? Coucou bébé, coucou. En fait, j'ai pas tout repris à VOD, j'avoue, mais juste la fin, j'avais écouté en faisant du vélo à la fin et j'avais noté qu'il y avait des pépites à clipper. Oui, c'est vrai que t'avais dit que t'étais en lurk et que tu disais, ah, moi j'ai juste le son, mais c'est déjà épique, c'est vrai. Bah, c'est super gentil d'avoir fait ça, ça m'a beaucoup aidé. Ça va, et toi? Bah écoute, ça va très bien, merci. On est en train de commencer Resident Evil Village, que je ne connais pas du tout. C'est mon deuxième. Je me souviens plus, Luna. Si, Luna. Je crois que tu m'avais dit que t'aimais beaucoup les Resident Evil Village, justement. Si je confonds pas de personne, je crois que tu m'avais dit que t'aimais bien les Resident Evil. Oh, je prie pour que ce soit toi, et que mon cerveau ait fonctionné pour s'en souvenir, mais je crois que tu m'avais dit que t'aimais bien les Resident Evil. Je crois. Je sais plus. Suspense. Est-ce que Senshi dit de la merde, ou est-ce qu'elle a retenu? Suspense. Je crois aussi. Je vois, oui, j'adore. Oui, let's go, je me suis souvenu. C'est un miracle. C'est un miracle de ma part de me souvenir de trucs. Let's go. Il me semblait que c'était avec toi que j'avais cette discussion. Même que t'avais dit, ah, j'ai hâte de te voir sur les Resident Evil et tout. Si, c'est toi. Enfin, vous êtes plusieurs à beaucoup aimer, mais il me semblait que j'avais eu cette discussion avec toi. T'as vu, hein? Je fais des efforts pour retenir, hein, quand vous me parlez, hein. Oh, pétard. Qu'est-ce que c'est que ça? Sauvegarder. Oui, laissez-moi saluer un autre Little Couillonne pour ce coup-ci, t'as vu? Et je fais des progrès sur le DLC avec Chris Wickfield. Oui, effectivement. Par contre, la rêve de Little Couillonne, vraiment, c'est une de mes rêves préférés du stream. Si la calamité s'abat sur le village, cherchez les morceaux de relief. L'un d'eux se trouve dans l'église, l'autre a été confié à Louisa. Hein? D'accord, rien compris, mais ok, morceaux de relief. Ah, ça doit être pour le château. Alors ça, je sais qui c'est. C'est la seule chose que je sais de ce jeu, c'est qu'il y en a une qui ressemble à une sorte de baronne qui est très grande et qui a de beaux atouts, on va dire. C'est la seule chose que je sais de ce jeu. Donc pas grand-chose au final, si on devait résumer. Lady Jimmy... Ah, attends, je vais pas lire son nom. C'était pas une perche à me tendre, pardon. C'était peut-être pas clair. Je dis juste que je l'ai vu, mais me dites pas son nom parce que je sais pas si ça peut avoir une importance pour après. Excusez-moi, c'était peut-être pas clair. J'ai tendu une perche que je ne voulais pas prendre. Et là, j'ai dans mon top 3 des Resident Evil, j'ai été hype comme Jaja quand il est sorti, ma carte bleue a passé à l'action, elle a failli brûler tellement c'était rapide. La carte qui prend feu, let's go. Mais en fait, je sais pas si le nom peut avoir une importance. Donc, ce n'est pas le bon morceau. Ah, et après, faut le tourner, c'est ça? C'est pas contre toi, hein, Bébou, hein. C'est juste que je sais pas... Je sais que des fois, dans certains jeux, tu apprends le nom des personnages à un certain moment et ça peut avoir une incidence. Donc, dans le doute, je préfère ne pas le savoir. Aussi bien, ça n'aura aucune importance, je sais pas. Ah, aucune importance, ok. Vu que je connais pas le jeu, il y a une sorte de fœtus entouré de 6 ailes. Attends, quoi? Ah, c'est des fœtus! Quoi? Mais c'est dégueu! Mais quoi? Comment ça tu mets des fœtus sur des portes? J'ai envie de canner! Pareil pour le remake du 4, surtout le DLC Bébou. Oui, j'ai hâte. Je partage mes jeux avec Naipa et je sais qu'il a acheté tous les Resident Evil, mais je sais pas s'il a les DLC, donc je regarderai. Et c'était pas pour t'engueuler, hein. Alors comment ça se dit d'ailleurs ton nom? Je ne sais pas. X-Rakam? Rakam? Je peux t'appeler comme ça ou pas? C'est ça? Rakam? C'est pas méchant, hein, mais je pense que tu t'en doutes, Bébou. C'est juste au cas où... Même si toi, tu sais que c'est pas important, enfin qu'il y a pas d'incidence, des fois, quand certains disent des choses, ça donne envie à d'autres de dire d'autres choses. Donc c'est plus dans un sens de prévention. Raklam? C'est ça? Raklam? Oui, Raklam. Raklam. C'est la chef qui décide. Chef, oui, chef. C'est gentil. Ok, alors.
Et pour ceux qui ont fait Resident Evil 7 et 8, vous avez une préférence entre les deux ou pas? J'imagine que oui, mais... Ah non, hein. J'avais la paix, là. Vous voulez pas me laisser avoir un peu la paix? C'est bien d'avoir la paix pendant un moment, non? Vous n'avez pas envie? En tout cas, j'ai l'impression que je trouve beaucoup de ressources. Je vais essayer de pas les gaspiller. Ferraille, ok. Rackham. Oui, Rackham. Lady Ethan. Lady Ethan? J'ai pas compris Lady Ethan, t'inquiète, dites. Pas, je préfère le 8 parce qu'il va se passer ceci, cela. Oui, c'est juste, est-ce que vous avez une préférence entre le 7 et le 8? Le 8 est bien mieux pour le scénario. Ok. Parfait comme réponse. Nickel, bébou. Nickel. Quoi? Ah, ça bouge là-bas. Attends. Chant en jachère. D'accord. On va peut-être prendre le gun hein, quand même. Hein. Après, il y a peut-être moyen que je puisse le faire discrètement, mais bon. Vous savez que moi et mon niveau de discrétion, on passera. Je suis pas la personne la plus discrète, clairement. Ah, je peux passer par là. C'est de la ferraille, ça? Oui! Ferraille, ok. Je préfère 8 parce qu'il va se passer ceci, cela. C'est une vanne par rapport au message supprimé en mode c'est ça qui était écrit, pardon mon humour. Ah pardon, j'avais pas compris. Les oeufs, j'ai fourché, veut dire qu'il le laisse reposer pour que les nutriments se rechargent. Je sais pas si je peux y aller en mode discret. Pour la vanne, ça aurait été drôle de supprimer, mais c'est pas mon genre de support troll. Oui, il supprime pas pour troll. Attends, j'avais vu des caisses. Sauf que j'ai... Je vois que dalle. Là. Mais ça va faire du bruit, ça. Oh, putain. Oh, je me chie dessus. Oh, non, hein. Putain, tu m'approches pas, ça m'intéresse pas. Non. Je parle de la jachère. Ah, c'est ça, la jachère. D'accord, j'avais pas compris de quoi tu parlais. Par contre, on récupère des pièces. Attends. Elles sont où, mes pièces? Confection. Non, c'est pas ça. Attends. Trésor. Ah bah merde, je sais pas où elles sont les pièces. Ah si, 660 lei. Pas déjà, tu te chies dessus. Si, je me chie dessus déjà, bébé. Il m'en faut peu, tu sais, pour me chier dessus, hein. Il en faut peu pour se chier dessus. Vraiment très peu pour se chier dessus. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un petit screamer et la petite, petite Senshi. Elle remplit sa couche jusqu'au bout. Oh, j'avais pas la fin, désolé, j'avais pas la fin au rythme. J'étais pas inspirée sur la fin. Je suis souvent inspirée sur les débuts, pas la fin. Il en faut peu pour se chier dessus. Vraiment très peu pour se chier dessus. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un petit screamer et petite Senshi. Elle se chie dessus, la. Ah! Il est là! Merde! Je lui tombe pile dessus! Ah! Ce que je voulais éviter! Oh non! C'est pile ce que je voulais éviter! Ah bah c'est super, hein! Ah bah c'est génial, hein! Génial! Viens là! Et bam! Dégage! Salaud! Salaud! Par contre, ce qui est bien, c'est que... Crâne cristallisé. Voir les trésors. C'est que eux, au moins, quand on les tue, ils nous donnent des trucs. Attends, parce que je vois que dalle. J'entends du people in la people, là. Sister pro à toute heure. Ciao, bonne soirée. Je vais me poser un peu, je laisse en l'heure. Pas de soucis, Spy. Pas de soucis, bébou. Un streamer dans les herbes hautes, ça pourrait vite arriver. Oui. Bah oui, je crois que oui. Hein. Putain, j'ai eu peur de ta frayeur. C'est que les fougères, hein. C'est pas démoniaque, hein. Faut pas avoir peur, bébou. Mais c'est ce qu'il y a dans les fougères qui me fait peur. C'est pas la fougère en elle-même. Oui, j'adore looter. Attends, je suis une looteuse depuis ma tendre jeunesse. Non, mais au moins, tu te dis, tu vois, tu mets des balles dans le monstre, mais au moins, tu récupères un truc, tu vois. Il y a une notion d'échange. Alors que quand juste tu te fais courser, tu butes un ennemi, il te donne rien. Bah, c'est pas pareil. Ah ah. 4. On avait dit 6, hein. 5. Ah, ça, elle est passée dans le décor, celle-ci, super.
Arrête de bouger. J'ai oublié. Oui, faut tirer plus souvent. Faut tirer plus souvent. 5. 6. C'est bon. C'est bon, fluide chimique, merci. Voilà, là au moins tu vois, on le tue, mais on récupère un truc. Ça, je dis oui. Ça, je dis oui. Hey monsieur, la clé dans le décor, le tricheur, mais oui! Master loot, ah, mais c'est pas un reproche, j'adore looter. Mais je sais que c'est pas un reproche, mais bon, c'est pas parce que je. C'est pas parce que je rebondis sur ce que vous dites avec un air. Que ça veut dire que je suis pas contente. Je sais que ça peut porter à confusion, hein, mais partez du principe que j'aime bien ronchonner, c'est tout. À partir de là, tout s'explique. Papa, y a quelqu'un? Qui quoi? Attends. Ça, je pense que c'est la suite. Attendez, j'ai pas fini de tout looter. Attendez. Laissez-moi vérifier, voilà. Hein? On aurait quand même pas passé à côté de la ferraille, bordello. Et, oh! La céréale looteuse, là. Il faut qu'elle tienne ses engagements, hein. Ok, il y a d'autres trucs ou pas? En tout cas, il y a un ennemi, ça c'est sûr. On fait comme s'il n'existait pas. Ce que je ne vois pas n'existe pas. Il est derrière moi, oh putain de bordel. Je re sur PC, bébou. Il n'y a pas de problème, les... Il n'y a pas de problème, bébou. Bon, je crois qu'il va pas me lâcher. Une balle. Deux balles. Trois balles. Quatre balles. 5 balles? 5 balles? 6 balles? 7 balles? Ok. Ce que tu vois n'existe pas. En gros, souvent dans les jeux d'horreur, quand j'ai peur d'un truc, je me fous dans un coin. Et si je regarde pas le monstre, il n'existe pas. Genre, je suis dans le déni. C'est la phrase du déni. Donc quand je me fais courser après un monstre, à partir du moment où je le regarde pas, il n'existe pas. Mais si, vous existez, vous. Faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a, Kintré? Qu'est-ce qu'il y a? Ça sonne comme une menace, la technique de l'autruche est bien connue. Bah oui, c'est important la technique de l'autruche. Surtout dans les jeux d'horreur. J'ai vu une caisse, faut aller looter. Je m'en fous. Laisse-moi aller voir la caisse. Oula. Approche pas. Pitié, vous faites pas de mal. Mais c'est bon, je vais rien te faire, là, calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Bordel. Je suis en train de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Non. Ils sont tous chez Louisa. Ah, Louisa, on a entendu elles parler. Pas et le portail est fermé. C'est celle avec la radio. Tais-toi. Elle n'est pas d'ici. Ah, en plus, je crois que c'est moi qui fous la merde, en plus. Donc, On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher? Oh, il a pas l'air. Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Oui, mais arrête de crier, déjà, pour commencer. Il doit y avoir un accès. Restez ici. Sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Oui, bah on va faire ça, tiens. Ok, entrez chez Louisa. Attendez deux secondes. Si tu regardes tes stats et que tu vois beaucoup d'écoutes sur Senshi Catastrophe sur YouTube, c'est pas ma faute. J'ai dû t'écouter pour passer mon niveau, obtenir enfin mon platine. Comment ça, ton platine? C'est quoi le platine? Il y a du platine? Il y a des récompenses sur YouTube? La galère des gens me booste. J'ai rien compris, Pépou. Mais merci pour toutes les écoutes, c'est gentil. Je peux enfin déstabiliser, désinstaller ce jeu de démon. Quel jeu de démon? J'ai l'impression d'être bourré, je comprends rien. Platine, trophée max sur les jeux PS. Va lâcher un sub, un like et un commentaire. Let's go. Ok, il y a des caisses là-bas. Moi, je m'en fous du reste. Laissez-moi juste aller looter. Le reste, je m'en contrefous. Ok, munitions pour pistolet. Ok. On repasse la fenêtre. Je chasse les trophées. Mais du coup... Ah, c'est genre t'as écouté Senshi la catastrophe pour te donner en gros la force de finir ton jeu, c'est ça? C'est ça? Je crois avoir compris, mais je suis pas sûre. Mais je crois que c'est ça. Tu l'as écouté pour te motiver, en gros, pour ton jeu? Je peux pas passer là. Oui, c'est ça. Ah putain, tu vois, ça... Oh putain, il y a des gens avec des torches. Oh pétard. J'avais pas compris, mais tu vois, ça finit par monter dans le cerveau progressivement. C'est juste qu'il y a un grand temps de réalisation. Bonjour, peuple de fous, coucou Natsu. Vu qu'il fallait sauter dans le vide, je trouvais ça approprié. D'accord, parce que moi, je croyais que t'avais obtenu un trophée en écoutant la musique sur YouTube. Du coup, je comprenais pas quel était le rapport, en fait. Mais c'est bon, j'ai fini par comprendre. Fasse quelque chose.
J'ai compris. Ok. Alors là, je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse. Je crois qu'il faut que j'y aille en mode discretos. Mais ça va être compliqué. Faut que je les tue ou il faut que je me casse? Est-ce que j'ai le droit d'aller faire pipi? Oui, je vais aller faire pipi parce qu'il me reste encore une heure de live et je tiendrai jamais 3 heures sans faire pipi. Bah tu sais quoi, pour la peine, je vais te la remettre. C'est la catastrophe, comme ça t'en vas bien. Tu vas bien faire une belle overdose, bébou. Vas-y jusqu'au bout. Tiens, cadeau. Attendez, je reviens, je vais faire pipi. Catastrophe, Sanchira. Elle chute sans cesse, c'est toujours le même résultat. Malgré ses efforts, c'est un désastre, on le sait bien. À chaque fois, sa destinée prend ce chemin. Sanchira tombe encore et encore. Ses fails sont légendaires, des vrais trésors. C'est une catastrophe sans fin, mais c'est pour ça qu'on aime bien. Le chat adore se moquer d'elle, en même temps rien de plus naturel. Je ne lui fais jamais de cadeaux, avec elle c'est vraiment tout un show. Sanchira tombe encore et encore. Ses fails sont légendaires, des vrais trésors. C'est une catastrophe sans fin, mais c'est pour ça qu'on l'aime bien. Sans cesse attiré par le vide, rien n'arrête son cœur intrépide. Chaque jeu avec du vide est une épreuve. Quand elle tombe, les larmes de rire pleuvent. Sanchira tombe encore et encore. Ses fails sont légendaires, des vrais trésors. C'est une catastrophe sans fin, mais c'est pour ça qu'on l'aime bien. Son compteur de mort ne fait qu'augmenter. La moitié ne sont que des chutes inopinées. Toujours épique dans sa manière de jouer. Elle finit cependant souvent très. Sanchira tombe encore et encore. Ses fails sont légendaires, des vrais trésors. C'est une catastrophe sans fin, mais c'est pour ça qu'on l'aime bien. Elle fait tout pour sortir. Ses erreurs nous font en rire, comme elle le dit avec le sourire. C'est toujours un véritable plaisir. Désolée, je suis là, il y a un petit Tomoki qui est venu. Il m'attendait derrière la porte quand je suis allée faire pipi, et là, du coup, il m'a regardé avec sa petite tête en mode... Comme ça. Avec sa petite tête, là. Attendez. Comme ça. Du coup, il est là. Il est avec moi, du coup. Alors, attendez, je rattrape. J'ai pas dormi, j'ai sombré dans les ténèbres à ce niveau-là. Comment ça, t'as pas dormi? Tu t'es pas reposé cet après-midi? Elle veut que je câble, super. Mais non, je veux pas que tu câbles en fait, c'est juste pour que tu l'aies bien dans la tête, c'est tout. Je suis peut-être endormie, j'ai fait un coma, la reprise du taf a vraiment été dure. Oh ma pauvre, oui c'est vrai que tu reprenais le boulot aujourd'hui. Donc là tu t'es reposée cet après-midi du coup, Natsume? Attendez, je rattrape, mais pas dans le bon sens, du coup je comprends rien. Oui c'est ça, tu t'es reposée cet après-midi, bébou? Alors attendez, je reprends. Si justement j'ai dormi. Ah, t'as dormi cet après-midi, d'accord. Attendez, je remets le jeu, voilà. Alors, entrez chez Louisa, ouvrez la porte du château. Mais c'est où chez Louisa, bordello? Où est-ce que je vais? Je vais peut-être essayer de retourner à l'église juste pour... Eh oh non, alors par contre, tu râles pas, hein. Attendez. Thank you.
Pardon, j'avais pas fermé mes volets, du coup il s'est énervé Tomomo en mode... Vous lâchez déjà, amusez-vous bien. Pas de soucis, Jim. Scène. Ah oui, putain, j'avais oublié de remettre la scène. Mais il y a une alerte pour ça, pour la scène. Elle était complètement KO à la fin de son live. Kisa Natsume ? Je comprends rien, je viens juste de me réveiller. Putain, mais je comprends... J'ai l'impression d'être bourrée. Je comprends rien. Oui, je parlais de Natsu, d'accord. Oui, d'accord. Et l'alerte, c'est toi... C'est toi, Zomi, qui m'a dit de la mettre tout au bout. Senshi, remets ta scène. C'est celle-ci. Mais elle est... mais par contre, elle est tout en bas. Elle est tout en bas. Du coup, pour la trouver, bah, il faut scroll jusqu'en bas. C'est pour ça. Coucou, Agil. Bonjour, Maxwell. Bonjour à toi. Je vois que c'est la première fois que tu parles dans le chat. Bienvenue. Bienvenue à toi, Bébou. Attendez, je vais reprendre le jeu. Donc, Tomomo, t'es sage, hein. Non, on est d'accord, hein. Oui. Il m'a dit d'accord. Alors attendez, je pense qu'il faut que j'arrive au moins à revenir jusqu'à l'église. Alors. Mais attends, mais je vais faire comment? Ils sont je sais pas combien. Quel enfer. Bonjour à toi, Maxel, bienvenue. Je crois que c'est la première fois que t'es sur le stream. Je crois que je suis dans la... Oh, je crois que je suis dans la merde. Oh, je crois qu'il va falloir courir, là. Ah, oui. Ah, oui. Oui. Je crois que je... Oh, putain, c'est un... Non. Je me suis trompée. Ceci est un cul-de-sac. Ah, ceci est un cul-de-sac. Poussez-vous. Laissez-moi sauvegarder. Ah là 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 là. Laissez-moi tranquille. Ça m'intéresse pas. Ferme la porte. Voilà. C'est bon. Oh, je passe sur le PC, j'arrive. Pas de soucis. Je gère les points pour pas juron. On l'a mise juste en alerte pendant une commande. Oui, elle est en alerte, du coup. Mais c'est vrai qu'une, au pire, une commande, ça pourrait être pas mal aussi. Il est passé où? Il est là. Putain, le screamer IRL, c'est Tomoki, là. Il passe dans mon dos, il me fait chier dessus. Quel enfer. Mais faut que j'aille où, du coup? J'ai pas compris. Faut que j'aille chez Louisa, mais c'est où, chez Louisa? Je sais pas. C'est pas une vraie question, je me parle. Peut-être là-bas? On va essayer là-bas, je sais pas. I don't know, j'ai joint le Didi, je suis couillonne, je l'avais pas fait. Mais non, t'es pas couillonne, t'es little couillonne, c'est pas pareil. C'est bien que nous ici, c'est les little couillons et les little couillonnes. C'est gentil, Luna, merci beaucoup, c'est trop gentil. Du coup, Maxwell, dis-moi tout. Je vois que c'est là. Mais il est passé où encore? Ah, il est là-bas, putain. Il me fait peur, là. Je vois que c'est la première fois que tu parles sur le chat, dis-moi tout, tu m'as trouvé sur Twitch? C'est vrai. J'ai pas compris où je dois aller. La 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 la. Est-ce que j'ai toujours le... Comment je sais? C'est une vraie question, le chat. Comment je sais si j'ai toujours le coupe boulon? C'est où? Comment je sais les objets que j'ai? À part, je veux dire, les couteaux, les trucs comme ça. Le titre Kitsune, my god, j'adore ça. Oui, parce qu'il y a des salons exclusifs pour les Kitsune, bébou. Parce que là, il y a la confection. Là, il y a les objets clés. Là, il y a les trésors. Objets de valeur. Comment je sais le coupe-boulon? Je l'ai toujours ou pas? Je pense que oui, mais je le vois plus. Coucou, Senju! Coucou, Valky! Comme capin! Senju! Non, mais non, c'est verrouillé. Je peux pas passer par là. Ça y est, je suis perdue. Ça fait une heure à peu près qu'on est sur le jeu. Ouvrir la porte du château, j'y arrive pas pour l'instant. Entrer chez Louisa. Mais le problème, c'est qu'on sait pas où c'est chez Louisa. Peut-être là-haut? Est-ce que j'essaie de passer par là? Je reviens en arrière, je sais pas. J'ai 4 queues. Moi, pas... J'ai 4 queues, moi, pas 3 déjà. Comment ça, t'as 4 queues, bébou? Comment ça, t'as 4 queues? Oui, ça va, et toi, Valky? Ah, je peux pas passer par là non plus. Ah! Alors là, Winston, nous avons un problème. Bah alors, ma Senchu, je te vois pas sur Phasmo avec la mage. Il y a une mage sur Phasmo? Non, je savais pas. Luna, j'ai pas compris. Comment ça, t'as 4 queues? Hein? Mais Luna... Hein? Quoi? Quoi? Comment ça, il y a une mage sur Phasmo, l'event qui est apparu à 13h? Ah, bah je savais pas qu'il y avait un event.
Mais non, la semaine prochaine, on reprendra Phasmo. Mais non, là, il faut que j'avance sur mon Resident Evil pour finir mon mois d'horreur. Donc, non. Je savais pas. Bon, on le découvrira la semaine prochaine avec Neipa et Natsume. C'est pas grave. C'est Rodiscord qu'on m'a attribué. C'est marqué 3 queues. Oui, et ben, pourquoi tu me dis que t'as 4 queues? Tu es une femme si je ne m'abuse. Non? Te mêle d'autres là du coup. Comprends rien. Comprends R. Je parle de ça alors que c'est un jeu d'horreur. Mais attends. Mais que quoi? C'est m'embrouille. Oui mais 3, 6, 9, j'ai du mal à voir où tu veux en venir. Bah oui, moi non plus, je comprends pas. C'est 3 queues, c'est soit 3 queues pour le tiers 1, soit c'est tiers 2, c'est 6. Et 9. Le chat, pour ceux qui connaissent, vous pouvez me m'indiquer ce qu'il faut que je fasse. Je comprends R, là. Senshi qui comprend rien. Je comprends jamais rien, parce... Je comprends que mes propres blagues, et encore, des fois, c'est limite. Hein. Tu as 15 jours pour faire les bonnes communautaires, pour avoir le trophée, ainsi que la météo lune de sang pour tes parties personnalisées. Oh, bah faudra que j'en parle à Natsume et Neipa, là. Je peux pas... Non, là, c'est le château. Non, attends, c'est ça le château? Non, le château, c'est là. Ah, attends, je suis pas allée là, je crois. Attends. En haut du champ, en jachère. En haut du champ, en jachère. D'accord, merci, Bébou. Attends, je suis perdue, là. Comment je fais pour retourner là-haut? Oh, putain, mais j'ai vraiment aucun sens de l'orientation. J'adore les gens confus, mais là, moi aussi, là, bravo, c'est rare. Mais je comprends rien. J'ai rien compris, Bébou, j'ai rien compris. Ah, faut que je passe par là, je crois. Oui, je découvre le stream, j'ai atterri là, de raid en raid pendant que je dormais. Eh ben, bon réveil à toi, bébou. Bon réveil à toi. Oui, t'as dû arriver soit par Clem, soit par D12. Soit par... Ah, j'ai oublié le nom de son l'ami de D12. Qui a raid tout à l'heure. Ah, je connais son nom en plus, mince. J'ai oublié son nom. Elle joue souvent avec lui, j'ai oublié son nom, je suis désolée. Nicolo, oui, Nicolo, merci, bébou. Je sais pas si, mais en tout cas, ça devait être un des trois raids. Bienvenue à toi, Maxwell. Du coup, je fais du multigaming, je fais des jeux d'horreur, des Souls. Alors, je suis spécialisée dans les Souls. Je fais aussi pas mal de jeux d'horreur en ce moment, et là, je fais un mois spécial horreur. Je sais plus ce que je vais dire. Je fais aussi des jeux narratifs et des jeux d'aventure. Voilà, ça fait 8 mois que je suis sur Twitch, et je suis folle, et c'est pour ça qu'on m'aime bien. Voilà, et je comprends rien aussi. Voilà, bébou. Je retourne dans mon viewers de l'ombre. Des gros bisous, Masenchu. Pas de soucis. Oui, bébou. Oui. Rakam, je dis bébou. En fait, bébou, c'est aussi bien pour vous que pour les monstres. C'est pour les deux. C'est pour vous. C'est pour vous tous, les bébous. Les bébous, c'est... Ah mais non, je peux pas aller là. Ok, donc ça doit être la jachère. Tu m'as dit en haut de la jachère. Moi aussi, je suis nouveau. Oui, toi aussi, t'es nouveau. Pardon, je croyais que je m'étais présentée. Je me suis pas présentée, pardon. Mon pseudo, c'est Luna Kitsune. Mais la mienne, elle a 4 fluffy tails. Ah, mais d'accord, on pouvait pas voir la rêve. Du coup, via le Discord, j'ai voulu vanner sur ça et j'ai le titre. Je m'attaque moi-même avec confusion, ça va pas le faire. Bah oui, Bébou, c'est vraiment un réflexe pour elle. Ah oui, Bébou, c'est autant un monstre absolument affreux, je vais dire t'arrêtes, Bébou. Et un gentil Bébou dans le chat, je vais dire merci, Bébou. C'est un réflexe. Donc pardon, je me représente mieux que ça parce que j'ai fait ça à la Wallagan Beast Offline, mais depuis le début de ce stream, c'est le sbol, je suis désolée. D'habitude, c'est le bazar, mais là, c'est beaucoup plus le bazar que d'habitude. Entre l'alerte de don qui a pas fonctionné, qui m'a cassé le cerveau, et les 3 raids, là, le cerveau, il est parti loin, très très loin, très très loin. Du coup, je suis désolée, c'est vraiment très bordélique pour les nouvelles personnes qui arrivent là. Mais je vous assure, d'habitude, c'est mieux. C'est bordel, mais c'est moins le bordel. C'est du bordel plus drôle. Là, c'est juste du bordel. Du coup, je suis désolée. Donc, je me focus. Focus au puce. Attendez, just chatting. Focus. Nico? C'est toi qui t'amuses à m'enlever la lumière? Mais il veut mourir en fait? Mais ça va pas? Il vient de me couper le courant? Non mais n'importe quoi! Il m'a coupé la lumière! Oh, je suis outrée là! Je suis outrée! En plus, j'étais en train de me présenter, mais... Attendez. Vous avez vu que la lumière a sauté ou pas?
Attendez, j'arrive pas, je vais pas y arriver. Je me focus, Hocus Pocus. J'étais en train de dire quoi? Je sais plus. Je m'appelle Senshi, c'est Natacha dans la vraie vie. Ça fait 8 mois que je suis sur Twitch. Je suis complètement folle et ravagée. C'est pour ça qu'on m'aime bien. Je suis un petit peu pipou aussi, mais je suis surtout ravagée. Hein, mon petit mytho. Je suis spécialisée dans les soul-like, mais j'essaye de varier aussi avec d'autres trucs pour vous et pour moi. Donc, je fais aussi des jeux d'horreur depuis à peu près 3 mois. Surtout des walking simulator, mais je fais aussi maintenant pas mal de jeux d'horreur survie. Je fais des jeux narratifs classiques ou horrifiques, ça dépend, des fois j'aime bien. Surtout Folle Alliée, ouais, mais c'est pour ça qu'on m'aime bien. Je crie très fort quand j'ai peur, attention, c'est une précision. Et j'aime beaucoup le côté une boucle dans une boucle, donc vous verrez que les alertes avec les points de chaîne, c'est un retour, c'est une mise en abîme en gros. C'est-à-dire que c'est des moments drôles qu'on vit en stream, que je clippe et on en fait des alertes. Comme ça, par exemple, quand il y a des moments dégueulasses, vous pouvez dire « Ah, c'est des couillous !» Quand je suis en train de me faire courser, vous pouvez mettre envie de canner, etc. C'est vraiment... J'aime beaucoup le côté mise en abîme qui montre tout ce qui peut se passer au fur et à mesure des mois. Voilà, je crois que j'ai... You touch my tralala. Voilà. My ding ding do. Ça, c'est quand j'étais en mode perverse avec Natsume. Donc voilà, il y a des alertes pour tout et pour rien aussi, mais voilà, désolé. Oh yaya, quel enfer. J'ai lu ton interface comme quoi tu aimais les soul-like, je note. Oui, je suis spécialisée dans les soul-like à la base. Donc, Elle me tabasse celle-là. Celle-ci, c'était sur mes débuts sur Phasmo, je me chiais dessus. Bien joué, Sulandov, et lui un screamer IRL. Non, ne l'encouragez pas. J'étais en train d'écrire, ça m'a surpris. Je pense qu'elle est spécialisée dans les souffles. Senshi. Oui. Oh, respire. On respire. Je suis ravagée aussi, Bébou, let's go. Et pas let's go, on est ravagées toutes les deux. Alors on va bien s'entendre, Bébou, let's go. C'est la folie qui nous réunit, et c'est... Et ma mèche, elle fait n'importe quoi depuis tout à l'heure. J'ai envie de canner aussi, de ça. J'ai des tocs aussi. J'ai beaucoup de tocs. Ah ça y est. Ah il balance tout, là. Il balance tout, là. Ah ouais. Elden Ring n'a aucun secret pour toi. Non, j'ai fait le jeu de base et j'ai fait le DLC aussi quand il est sorti. Donc tous les replays sont dispo sur YouTube. Oui, il y a entre 4 à 5 VOD qui sortent par semaine sur YouTube. Et sur TikTok, YouTube, Instagram, je poste 2 à 3 réels par jour. Donc je peux vous dire que entre mon métier principal et Twitch, c'est simple, je fais entre 80 à 90 heures par semaine. Voilà. Elle se perd tout le temps, oui. Je me perds tous en psychiatrie. On s'y va parler. Ça, c'est une des toutes premières alertes de la chaîne, d'ailleurs. C'est quand j'ai commencé à péter un boulard et que j'ai commencé à montrer ma véritable identité. Elle tombe souvent dans le vide. Oui, je me perds tout le temps. Et j'ai aucun sens, donc j'ai aucun sens de l'orientation et je tombe tout le temps et je clique très fort, voilà. J'irai voir, je galère un peu à la cime des géants. Ah, c'est vrai que la cime des géants, c'est pas une zone qui est facile. Hein. Ouais, la compote de cheveux, alors cette semaine. Pour l'instant, il y en a pas, mais ça peut arriver, t'inquiète. Hein. Ils balancent tous le cri de la tortue. Ah, les tocs, Bébou. Ah, les tocs. C'est bon, vous avez fini? Je peux reprendre? Vous me dites hein, si je vous gêne, hein. Surtout, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Vraiment, open bear, hein. D'ailleurs, il y a une nouvelle alerte qui va bientôt sortir, c'est celle, c'est « Oh oui, oh oui !» avec un rire sadique. J'étais en train de la monter, justement. Tout à l'heure. Là, « Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui !» J'étais en train de la monter tout à l'heure. J'ai pas encore eu le temps de la poster. Oh non, it's winnable, it's winnable, it's winnable, it's winnable, it's winnable. Regardez, elle est presque prête. Elle est là, je suis en train de la monter. Elle est là, avec ma... elle y est presque. Donc bref, là je pense qu'il va y avoir deux nouvelles alertes. Il va y avoir la... Oh oui, oh oui, oh oui. Avec ma voix de sadique. Et la au secours. Oh, oh putain. C'est quoi ce truc? Oh, c'est des gouillons. Je te laisse jouer, t'inquiète, j'arrête mes trolls de Kitsune. C'est bon, my little big brain is broken. Oh, j'aime quand vous sortez des rêves comme ça. Ah, rien ne peut plus me faire plus plaisir que ça. Hein. Mais je pense qu'en vrai, t'as vraiment GG Senshu. Je peux pas parler, putain. Ma petite tête idiote, là.
Oh, quel enfer! Mais laissez-moi parler, bordel de merde! T'as vraiment les mimiques d'Elodie Pou, une comique? Hey, hey! I have a little big brain! Hey, hey! Oh putain, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Je vois qui c'est, je vois qui c'est, je vois qui c'est, Rakam. Je connais, je l'aime bien. Donc, je prends ça comme un compliment parce que je la trouve extrêmement drôle. Oh, j'ai mal au crâne à force de rigoler, au secours. Donc voilà, vous avez... Enfin, je dis tu. Les nouveaux, vous avez un aperçu de toutes les alertes qui existent, mais il y en a beaucoup. Et vous avez le temps, j'apprends chez toi. Eh ben, apprends chez moi, bébou, let's go. Mais je pense qu'en vrai, avec toutes les nouvelles refs, il faudrait qu'on refasse... certainement une musique... La musique qui précède ma chaîne, la Guerrière Bourrine, la toute première qu'on a sortie il y a 8 mois. En vrai, maintenant... Les nouvelles musiques, elles ont 3 voire 4 couplets, plus un pont, plus une outro. Et je pense qu'il y a des musiques, ce serait bien de faire une V2 en rajoutant justement des refs pour que ce soit un petit peu plus actuel. Et je pense qu'en vrai, il y en a pas mal. Hein. Faudrait peut-être limite faire une musique aussi, je suis en train de penser, Zomi, tu me diras ce que t'en penses. Enfin, les autres aussi. Hein. Une musique sur mon défi en anglais. Juste, je sais pas ce qu'on pourrait dire, Sunshi et son franc anglais ou j'en sais rien, mais un truc avec toutes mes refs. Genre Little Big Brain, comment j'avais dit? J'avais dit quoi l'autre jour qui t'avait fait MDR, Zomi? Faire des remakes. Oui, il faudrait faire des remakes de certaines, je pense. Enfin, au moins de la première. I pass in the game. Little Couillon, I pass in the game. My Little Big Brain. Tout ça, il faudrait le faire. Alors en fait, pour t'expliquer, Rakam, parce que t'es arrivé en plein milieu, j'explique. Vous avez vu, je prends plus le temps maintenant, hein. Je suis pas en mode, oui, il faut avancer sur le jeu, je raconte ma vie. Ça y est, le verrou est crocheté, je vous ai dit. Le verrou a lâché, c'est bon. J'ai compris. En fait, il y a plein de musiques pour vous expliquer les nouveaux qui présentent ma chaîne. Donc, Senshi, la catastrophe, ça parle de mes chutes, en gros. La conquérante, ça parle des souls. C'est vraiment une musique sur les souls, sur le côté conquête. Des fois, justement, quand j'arrive pas à faire des boss, on met celle-ci. Senshi, la folle... Est-ce qu'on a vraiment besoin d'expliquer ce que c'est? Je pense pas. Voilà. La guerrière bourrine, c'est la toute première de la chaîne, justement, c'est celle dont je parle, qui parle de ma chaîne en général. Et Senshi, notre plus grande peur, c'est la musique qui vient de sortir là, c'est la dernière en date, qui parle des jeux d'horreur. Donc en vrai, je pense qu'il y en a qui pourraient être cool. Son anglais qui attire le pays avec les fourches. Take a shower once in the month because I'm a geek. Oui, celle-ci aussi. Donc voilà, en vrai, je pense qu'il y a encore plein de musiques qu'on peut créer. Une peut-être où je parle une en anglais, ça pourrait être cool. Voilà, n'hésitez pas, en vrai, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les marquer sur Discord. Parce que moi, j'adore créer des nouveaux trucs. Je parle souvent anglais, parfois, vous me dites, si j'allais dire, je suis pas anglaise, américaine, mais j'adore parler anglais, c'est une passion. Oh bah, let's go, tu peux y aller. Et j'avais pas vu que t'avais mis j'apprends chez toi, Senshi, mon modèle, t'es trop mignonne, Luna. Coucou Nico! Alors Nico, tu t'amuses à me faire peur? Hein? T'éteins la lumière alors que je suis en plein live? Tu t'amuses bien, Pébou? Hein? Mais en vrai, je pense que... Je sais pas s'il y a des refs, il faudrait... Non, non, Nico! Je suis en train de parler en français, là. For 15 minutes, I'll talk only in English. J'aime beaucoup, Pébou, hein. With my beautiful Mais là, je suis en train de parler, donc non. Let's go, baby! Je refuse. Tu peux reprendre tes points, je refuse, Bébou. Désolé, mais pas désolé. Désolé, pas désolé. Ok? J'étais en train de dire quoi? Donc, vous pensez que ça pourrait être une bonne idée ou pas de faire une musique en anglais? En vrai, ça pourrait être marrant. Je pense que ça pourrait être très drôle. Et je pense que la Senshi, la guerrière bourrine, il y a quoi là, retaper dessus, hein, je pense. Ça vous chaufferait ou pas, Natsu et Benny, qu'on retravaille la guerrière bourrine pour reparler vraiment de la chaîne en général et vraiment essayer de... comment dire? De retravailler un peu tous les axes. C'est-à-dire, par exemple, un couplet sur les souls, un couplet sur les jeux d'horreur, un couplet sur les jeux narratifs, un sur les chill, et voilà. Et une musique sur les refs en anglais. Moi, ça me dit. Et bah, let's go. Si tu peux mettre un petit rappel, Natsume, musique en anglais. En vrai, il y a 3 musiques qu'on pourrait faire. Musique en anglais, refaire le remake de la toute première, et j'ai failli baisser mes doigts, mais ça aurait fait quelque chose de pas bien. Donc je vais bien garder les 3 levés. Mais il y en a une qui pourrait être marrante aussi, qui n'est pas très marrante quand ça arrive, mais qui pourrait être marrante, c'est quand j'ai des bugs sur les jeux. Oh, vraiment, j'attire le malheur sur moi.
J'attire le malheur sur moi. Tu ferais pas ça en 2025 par hasard plutôt? De quoi, Zomi? I can't talk in English and it's not for me, but... Si vous voulez qu'on finisse le stream en anglais, si vous voulez, on peut faire un défi en anglais après, hein. Les musiques. Ah, tu veux dire on commence à les travailler en 2025? Ah oui, bah après, c'est pas forcément... C'est pas parce qu'on en parle maintenant qu'on va les commencer maintenant. C'est déjà commencer à réfléchir aux idées. Parce que de toute façon, je sais qu'on va être bien occupé en fin d'année. Moi, je vais être overbookée entre la boutique et le stream. Mais oui, ça veut pas forcément... Enfin, quoi que je dis ça, moi, souvent, quand j'ai une idée qui me traverse l'esprit, c'est... instantané. Donc, c'est pas faux. Mais au moins, se les noter. Au moins, se les noter, et quand on a un peu de temps, on commence à travailler dessus. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool, par exemple, en janvier, d'avoir une version actualisée, par exemple, de la Guerrière Bourrine. Ou je sais pas, par exemple, pour les 1 an de la chaîne... d'avoir la version actualisée de la Guerrière Bourrine, vu que c'est la toute première musique qui est sortie au bout de 2-3 mois, je crois. Ça pourrait être marrant, enfin, ça pourrait être symbolique, par exemple, pour les 1 an de la chaîne, de la retravailler. Soit filé, bon, fin de live. Pas de soucis, du temps libre, à bientôt. Du coup, vous voulez qu'on se fasse un petit défi en anglais ou pas? Un petit quart d'heure d'anglais? Pour faire plaisir à Luna, vu que Nico, il a fait le truc en anglais? Moi, je suis open, hein. I'm open, hein. I'm open to the défi, hein. Yes, 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 hein. Si vous voulez, on peut se faire un petit défi en 15 minutes, hein. Attendez, je reprends juste ma feuille, hein, parce que faut pas déconner. I will improve your English. Allez, let's go. C'est parti. Let's go, bitches. C'est toujours ma phrase de lancement de défi en anglais, c'est let's go, bitches. J'ai rien demandé. Ouais, ouais, ça ne va pas te déranger non plus. Ok. I go to the game. Ok. Let's go, bitches. Ok. What I do? I don't know. Rakam, tell me. It's on the... What can I say? En haut. Je sais plus. I don't know. Top. The top of the map. Top of the map. Ok. Top of the map. We need to go top of the map. Ok. Alors. Let's go, bitches. Can I have some discretos? I can't discretos! I can't discretos! Ok. Louis, we need to run! Oh no! Not the good! No! Ok, maybe perhaps here? Yes? Here? Yes? I think it's here! Ok. My nose is from. Oh no, it's a bad idea. It's a bad idea. It's not here. Okay. Maybe perhaps here. No. What can I do? Help me. Rakam, help me please. Where I go? I need a backseat, please. I don't understand. Where do I go? Rakam, can you help me please? I need a backseat. I don't understand. Oh, maybe here? Oh yes, I found. It's okay. I found. I'm a little couillon, but I found the solution. Yes, I found the solution. Okay. Okay. I found the solution. Gigi, thank you, bébou. Thank you. Okay, déverrouillez. Mais bad idea, they have a monster, bad idea. No. Oh, I think it's a bad idea. Oh, I think it's a bad idea. Ton ami du temps. No. Fuck you, voilà. De rien, hein. Little bastard, hein. No, ami du temps. Il a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. Yes, bébou is kicking in English. Yes. Wow. Yes. Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur. Yes. Hey, vous avez une idée de ce qui se passe ici? Ça n'est rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés. Jamais content. Jamais content. Papa. Yes. Il faut qu'on entre. I'm agree with you. It's that agree is je suis d'accord. Is that agree? Il faut que tu t'accroches, yes? Papa. I'm agree for with you, bébou. Kiki bébou, I'm agree with you. Yes, I agree. What? Je saigne tellement.
Un morceau de relief. Ok. Yes, yes, yes. Watogi told me to focus was splitted. What is splitted? I don't know. What is it? Y'a quelqu'un? Yes! Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena! Ah, Davogun. Ah. Arrête ah. de crier. Ah. Tu vas attirer les monstres. Ah. Du calme. C'est qui lui? Mon ami. Reste où t'es. I'm a friend! Papa! I'm a friend! On supplie, Julian, laisse-nous en danger. With a gun and a knife, but I'm again. En danger. Mon père a besoin d'aide! C'est pas mon problème. Que se passe-t-il? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Allons, ces gens sont nos amis. Yes, I'm a friend. Oh, little bastard. Oh, non, 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 non. Oh, non, 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 non. Vous n'êtes pas de ce village? Non. Non. Moi, c'est Ethan. I'm a little bébou. Rends-toi utile et va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire? I'm a good bébou. Bien. Si Elena vous fait confiance... Alors, moi aussi. Yes, trust me, I'm a good bébou. I don't loot! Je vais voir les autres. Can I loot, please? I can't. Oh, shit, I can't. Bon, ok. Hein. I save, ok. Je parle en français quand c'est écrit en français. Une partie du bétail a encore été tuée, si ça continue, nous ne passerons pas l'hiver. Quant à Ernest qui a disparu. Nous n'avons toujours pas retrouvé sa trace. Mère Miranda nous aurait-elle abandonné? I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair. Let's go. You better loot before moving on. Yes. Malcolm Evil, yes. I'm a little mais crazy, hein, but you love me for that. Hein. Oh, qui, lui? A little bébou. Vous allez tous nous faire tuer. No. Du calme. Il a aidé Leonardo et Elena. Mm-hmm. On s'en sortait très bien sans lui. Venez, Ethan. Asseyez-vous. Little Unfair is a good word. Vous êtes les seuls survivants de tout le village? Les seuls survivants? Les seuls survivants? What? Il n'y a pas de survivants! Oh, mais... Un pauvre invalide. Une conne qui arrête pas de chialer. Et vous? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était. Forget you can see if you loot everything in the air. Et vous pensez être à l'abri? Thank you, my little baby. Personne n'est à l'abri. Tous les connards dehors se sont fait triper. Demain. Stop pickle, guy. It's not the time to pickle. Comme son putain de mari. It's time to very strong. Ça suffit. Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. You talk to me? Non. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, à la fin? Nous l'ignorons. Nous étions un village pieux et tranquille. Désolé, c'est le bastard, hein. Du jour au lendemain, mm-hmm. ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. Et puis, il en est venu d'autres. Attendez, Louisa. Où est votre mari? Ils l'ont... Non, il est dehors. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Maybe the guy with the fusil at the beginning of the game, you know? The guy with the fusil and is a froop in the plafond and die. Maybe perhaps is the guy, I don't know. Oui, voilà. C'est ça. Il cherche I hope you understand me. Hein. Yes, with the gun. With the fuzzy, with the gun, it's the same, babou. Oh, stop bullshit me, please. Hein? You understand. Make a little effort, babou. Puissant.
I make it for you, make it for. It's a... It's a dance, you know. I make it for you, make it for. I make it for you, make it for. Yes. Nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice dans la vie et la mort. Salsa. Nous te rendons gloire. Salsa. Mère Miranda. Salsa. If you see red, it's not good, better see blue with checking the map. Yes, I understand. I understand. Fuyez, pauvre fou. No. Vieille femme près du cimetière. No, stay with me. Cette vieille sorcière. I'm crazy, but I'm people too. Juste complètement. Stay with me. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. Oui. Et j'espère que ça la protégera tout autant que nous. Stay with me, bébou. Mais qu'est-ce que tu fous? Leonardo, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas. Oh, I think they have a monster. Oh, yes, you have a monster. Elena, non, restez là. Non, laissez-moi. Il va nous tuer. Holy shit. Let me alive! Advertising for you preparation! Oh! Good. Thank you, bébou. Yes! Kill! Yes! Let's go! Kill him! Let's go! Good, bébou! No, it's not your father, it's a little bastard, just a little bastard. Oh, it... Elena. No! Y'a plus rien à faire. We need to go! Papa! We need to go! Non. We need to get out! We need to get out! Vous pouviez pas le sauver. Ouais, c'était you only waste one bullet, yes, one bullet. Laissez-moi seul. No. Non. On va sortir. No, we need to get out! We need to get out. Many people were playing the same with many bullets on him. Oh, okay, so I'm not a little couillon. Just one ball. I'm not a little couillon. Yes. Okay. We need to... Burn, baby. Nee. Burn, baby. Nee. Is Melanie Martinez the song? I hope you know the song. You know, John Swallow Kappa. Burn, baby. Burn, baby. Can I do at the top? No, I can. I can't? I don't understand what I make. What can I make? Démarrer? Oh no, I need a key! I need to find a key! Yes! Ball au lieu de bullet. Yes, ball is better laughing. With knife. Knife. Knife is more laughing. You know? Where is the key? Where is the key? I don't know. Where is the key? Where are you? Ah yes, it's very laughing to you. Yes. What can I say? Entendre. I don't know. I think I know, but I'm a little couillon in the moment. It's low... Oula. It's low gay ball? Laughable? What? Low gay ball? Laughable? What is it? What is it? Unfair?
Listen, ils écoutaient, ben yes, listen, oh little couillon, you know, Irene le listen, oh, little couillon, yes, thank you, I'm a little couillon, oh là là, little couillon, Josette, hein, ah yes, hein, Josette, hein. Que je trouve une solution. I was talking to Rome. Ah, ok, here, ah. J'ai besoin d'un tournevis pour celui qui est dans le porte-clés. Dans le porte-clés? Tu as besoin d'un tournevis pour celui qui est dans le porte-clés? What? A porte-key? Where is the porte-key? I don't know. Where is the porte-key? Where is the porte-key? I don't know. Where do I find the porte key? Yes, porte key. Where oh fuck. I don't know. I don't find. I search, but I don't find. Where is he? Maybe here? Oh, yes! I have a key! Haha, let's go! Ok. Hein? Examiner les objets? Je m'en balèque? Laisse-moi juste prendre la clé. Sorry, in English. Oh, fuck. Bah. Where, bah, just let me, no bug, hein. Ah, ouf, it's okay. Tournevis, yes, and now? I have a key! Ah, le feu gagne du terrain! Yes, let's go! I have a tournevis, if I do, oh, je suis fatiguée, I'm so tired. Reculez, je vais tenter quelque chose. I'm so tired, I need to remember that, the tournevis, ok? For, c'est bon, j'ai fait 15 minutes en anglais, c'est bon, j'en ai marre. j'ai le tournevis pour le... Là, j'arrive plus à parler même en français, non mais c'est sérieux là. Pour l'armoire avec l'autre truc rond là, pour la porte du château. Oh, délicatesse, hein. Ah. Oh. Screwdriver. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Laissez-moi essayer. Ça brûle. On n'a plus le temps. Oh merde. On n'a pas le choix, faut monter. Ah oui! De toute façon, on avait vu qu'on pouvait monter. Bon, j'ai raté 2 minutes du stream pour expliquer, du coup, j'ai pas compris à part j'ai une clé. T'as pas compris quoi, bébou? Oh, j'ai le cerveau flingué ce soir, je vous le dis, hein, j'arrive plus à réfléchir. En nouveau, c'est screwdriver. Ok. Je sais. Merci, Ethan. Ok, je peux pas prendre mon flingue. Là, on va là-haut. J'espère que votre famille est à l'abri. Oh, bordello. Non, c'est bon. Tombe pas. Oh, je pense qu'elle va pas vivre longtemps, elle. J'ai pas suivi le stream pendant 2 minutes. Ah non. Eh ben, j'ai trouvé la clé. Dieu merci. J'ai pu rentrer dans le camion, et du coup, j'ai défoncé une porte. Le village est infesté de monstres. T'inquiète, on va s'en sortir. On va aller s'affronter. Il y en a trop. Non. T'inquiète, non, on s'en sort toujours. Mais oui. Mais oui. Que je trouve ma fille. T'inquiète pas, bébé. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. M'en fous! Et je veux pas rester seule pendant que vous... Rien ne me résiste. Papa? Ah, il est pas mort, le papa, c'était sûr. Elena, c'est trop tard. C'est plus lui. Elle fait tout son défi sans ses notes. Il me reconnaît. Oui. Papa, non, il te reconnaît pas. N'y va pas. N'y va pas. Bah voilà, elle est morte. Bah voilà, bravo. Bougez pas. Encore une little couillonne, hein. Tenez, attrapez ma main. Trop tard. Ethan, partez. Sauvez votre fille.
Oh, non. Regardez-moi. Donnez-moi votre main. Putain de merde. Tout ça pour ça. Elle, c'est un little big no brain, hein. J'avoue, Luna. Ah ouais. Hein. C'était pas un little big no brain. Hein. Ah non. Little big brain, c'était pas pour elle. Hein. Ah, c'est bien la peine d'essayer de la sauver, hein, franchement. Hein. Connais l'histoire par cœur, mais ce que tu disais pendant ce moment-là, non. Ah bah, je sais plus, moi, tu sais, j'ai une mémoire à très court terme. J'ai déjà oublié ce que j'ai dit. Moi, tu sais, la mémoire vive, elle est pas très vive, justement. Ok, normalement, on va pouvoir ouvrir l'armoire avec le tournevis. Attendez 2 secondes. Mais pourquoi ça commence ? Merde. Ok. Là, elle a chaud, là, c'est compliqué. Oh, je pense que c'est même un peu plus qu'avoir chaud, hein. Senshi a 0,05 de RAM. Et encore, t'es gentil, hein. Je pense qu'on est plutôt à 0,01. À ce stade, hein. Ah, mais c'est bon, j'avais fouillé, en fait. J'étais paniquée à me dire que j'avais loupé des trucs. Mais non, c'est bon. Par contre, j'imagine que je peux plus rentrer, là. Bah oui. Hein, je peux plus sauvegarder. Par contre, on a le tournevis. Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir aller au château. C'est bon, Windows 95, ouais. C'est bon, on a le deuxième. Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir aller au château. Moi, je pense qu'on va aller jusqu'à la porte du château et on va s'arrêter là parce qu'il est 49. Donc, on va tracer... Wow ! C'est quoi ces bruits ? On va tracer jusqu'à là-bas. Là ! Arrêtez ! Merde, Miranda ! Qu'est-ce qui se passe ? Le mec de gameuse informatique, oh là là, c'est nerd. Ah, c'est une grosse connasse. Hein. C'était quoi, ça ? Bah, c'était la vieille, je crois. Bon, en tout cas, ça m'intéresse pas, ça c'est sûr. Je vous le dis. Pourquoi j'ai pas mon flingue, là? Ah bah voilà. Garde ton flingue en main, quand même, minimum, hein. Yeah! Qu'est-ce qu'il y a, yeah! Qu'est-ce qu'il y a, bébou? Bon, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup avancé, mais c'est pas grave. Allez, là, regardez, là. Regardez, là, cette connasse, là. Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup avancé, mais c'est pas grave. La mort. Maintenant, j'essaie de lâcher du lest, à ce stade. La mort leur a tous rendu visite. T'es un peu folle, ma vieille, hein. Ah ouais. Hein. Laisse-moi les sauvegarder, s'il te plaît. Oh putain, elle fait flipper. D'habitude, j'aurais été en mode, oui, j'ai fait 3 heures de stream, j'ai rien fait. Oh là, je suis en mode Balek. C'est bon, j'ai compris. Faut lâcher du lest, j'ai compris, faut lâcher du lest. Je lâche du lest, c'est beau. Un choc trop fort, c'est casser le cou, il est faiblos comme mec. Direction le château, oui. Voilà, je lâche du lest. Vas-y. Quel enfer. En tout cas, je vous confirme que je trouve ça tristoun quand j'ai des raids et que je peux pas les accueillir mieux que juste d'avoir un petit truc qui pop. Donc je pense que... ça tombe bien. Ceux qui sont subs, allez voir sur Blabla Kitsune, s'il vous plaît, dans Discord. Je vous ai envoyé un truc et je voulais avoir votre avis parce qu'en gros... J'aimerais bien faire des alertes auditives quand il y a un raid. Il y a un truc qui pop et qui dit oh, let's go. Donc ça, c'est pour le raid. Mais j'aimerais bien pouvoir appuyer sur une touche et activer un truc qui me présente en quelques secondes. Un you truc un peu sympa. You catch my twalala. Lighting lingo. Alors, pas ça, du coup. Mais un truc auditif. Et du coup, je voulais avoir votre avis là-dessus. Bah attendez, vous savez quoi? Je vais m'arrêter là, comme ça, demain, je commencerai le château. Je vais pas commencer à m'enfoncer dans le château. On va s'arrêter là, ce sera très bien. Je vais juste aller sauvegarder. Parce que je sais pas si ça me sauvegarde si je suis là. Mais du coup, vous verrez dans le Discord, dans Kitsune, je vous envoie des trucs des fois en exclusivité. Notamment pour avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à aller me donner votre avis. Parce que je trouve ça un peu tristoun quand il y a un raid. J'ai rien de spécial à activer. Et je trouve ça un petit peu triste. Bah vous savez quoi, je vais vous faire écouter en direct. Comme ça, vous allez me dire en direct live ce que vous en pensez. Aussi bien, vous allez me dire c'est de la merde. Mais comme ça, je vais vous faire écouter. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Après, je suis pas sûre de garder cette version-là. Peut-être que je ferai une autre version. J'en ai fait quoi? Oh putain, on me dit pas que je l'ai supprimé. Ah non, oh j'ai cru que je l'avais supprimé. J'étais en train de me dire, non, c'est une chute, t'as pas fait ça. J'étais en train de me dire, attends, t'as vraiment supprimé le truc? Non, c'est bon. Attendez, je vais aller dessus et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est lequel, par contre? Parce que j'en ai fait plein des tests.
Ah, j'ai aucune idée de lequel c'est. J'en ai plein. J'en ai plein des tests. C'est lequel? Le mood, le texte et tout, c'est Klinos. Je sais plus si c'était le test 3 ou le test... Je crois que c'était le dernier. Test 3, peut-être. Attendez. Test 2. Ah! Ça, c'est le genre de truc, tu t'en souviens quand c'est le moment? Je crois que c'est le 3. Je pense que c'est le dernier. Ah, mais non, attendez. Je suis con, vous allez pas entendre. Attendez, faut que j'ouvre avec un autre VLC. Voilà. Bienvenue le raid, bienvenue chez les fous. J'ai peut-être l'air subtil, mais croyez-moi, ce n'est qu'une apparence. Je déborde toujours d'énergie et ma folie est contagieuse. J'ai la mentalité tryharde dans le sang, je repousse sans cesse mes limites et j'ai toujours le sourire pour qu'on passe un bon moment ensemble. Bienvenue dans mon monde, vous n'en ressortirez pas indemne. Vous en pensez quoi? C'est bien ou c'est pas bien? Moi, je trouve ça pas mal, mais j'ai un sens d'autocritique qui est assez mauvais. Comment dire? J'adore perso. Ah ouais, c'est vrai? Le 3, je parle du 3. Oui, je sais que t'es fatiguée, Zomitaget. Je trouve ça clinos, comme je disais. Parce qu'en vrai, j'ai envie à la fois que ce soit un truc qui me présente dans le sens ça donne des infos sur moi. Et en même temps, je veux aussi ce petit côté un petit peu fou, mais pas non plus trop abusé. Je veux pas non plus un truc où je fais... Enfin, faut quand même se mesurer. Ça, c'est ce que je vais faire en stream. Mais disons que je pars du principe que quand vous arrivez, si vous me voyez trop folle, vous allez prendre la fuite. Faut que d'abord que je mette un petit peu le grappin. Je tire progressivement. Et la folie se dévoile, vous voyez. C'est un jeu d'équilibre. Faut y aller tranquillement. Si je vous montre direct ma folie pleine puissance, vous allez tous dire « Oh putain !» Faut un côté surprise. C'est pas mal, sachant de tout le monde, c'est bien expliqué. Il y a un mood spécial dans le bon sens, ça montre bien que t'es déterminé. Non, en vrai, j'aime bien. Oh, c'est gentil. Et là, c'est good. Ok. Je réécoute le deuxième test, parce que je sais que c'est normalement, c'était le même texte. Je crois que c'était juste l'intonation qui changeait. Mais je préfère vous... J'en profite, vu que vous êtes là pour vous demander en direct. Alors par contre, je sais plus lequel c'est. Je crois que c'était celui-là. Ah mais je suis con, vous allez pas entendre. Vous allez pas entendre celui-ci. Attendez deux secondes, je vérifie. Faut que je l'ouvre avec le bon VLC, sinon vous entendez pas, je crois. Bienvenue le raid, bienvenue chez les fous. J'ai peut-être l'air subtil, mais croyez-moi, ce n'est qu'une apparence. Je déborde toujours d'énergie et ma folie est contagieuse. J'ai la mentalité tryhard dans le sang. Je repousse sans cesse mes limites et j'ai toujours le sourire pour qu'on passe un bon moment ensemble. Bienvenue dans mon monde, vous n'en ressortirez peut-être pas indemne. C'est exactement le même texte, mais il me semble que justement quand j'avais fait écouter cette version à mes modos, bah il y a Benny là qui est, je sais pas s'il est encore là, qui avait dit ça manque un peu de côté un peu psycho, ton côté un peu psycho, donc effectivement je crois que le test 3 est meilleur. Attendez, je vais réécouter une dernière fois. Mais tant que vous êtes là, j'en profite. Bienvenue le raid, bienvenue chez les fous. J'ai peut-être l'air subtil, mais croyez-moi, ce n'est qu'une apparence. Je déborde toujours d'énergie et ma folie est contagieuse. J'ai la mentalité tryhard dans le sang, je repousse sans cesse mes limites et j'ai toujours le sourire pour qu'on passe un bon moment ensemble. Bienvenue dans mon monde, vous n'en ressortirez pas indemne. Ouais, si, il est mieux celui-là. La seule question que je me pose, c'est est-ce que je le lance moi manuellement? Merci pour vos avis, en tout cas, je pense que je vais partir sur ça. D'ailleurs, je vais le renommer, comme ça je saurai où j'en suis. Test OK pour raid. Je sais pas si je le lance manuellement, genre en gros je le laisse de côté et quand j'ai un raid, je vais dessus et je fais on, ou si je l'intègre à mon alerte quand il y a un raid. Parce qu'en fait, quand il y a un raid, ça fait « Let's go, let's go, let's go, let's go !» On m'entend en gros applaudir parce que c'était à la base sur un boss. Et limite, est-ce que je fais ça? En début, je laisse genre 20 secondes de vide sur ma piste et après, il y a ça qui se lance tout seul. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si je le lance manuellement ou si je fais un truc qui se lance tout seul. En fait, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage que ça se lance tout seul, c'est que j'ai pas besoin de le faire. Mais l'inconvénient, c'est que si par exemple je suis sur un gros boss, j'ai besoin d'être focus, et que le truc se lance tout seul, ça risque peut-être de me déconcentrer.
Mais en même temps, si je suis en plein boss, je peux pas lancer le truc manuellement parce que justement, je suis focus. Donc du coup, j'avoue que si vous voulez me donner votre avis là-dessus, n'hésitez pas. Mais j'avoue que je sais pas trop du coup. En tout cas, je pense que le truc est bon. Merci du coup de m'avoir donné vos avis. Je pense que je vais partir sur ça. Le mieux, c'est que tu le gères toi, perso. Ouais, c'est ce que tu penses, Zomi. L'idéal, c'est si l'un de vous avait un truc pour pouvoir lancer, mais je crois que c'est pas possible techniquement. Il y a moyen, si t'as moyen de le setup dès qu'il y a un raid, ça peut être pas mal, ça t'empêchera d'avoir un truc manuel à faire, mais oui, si t'es dans un boss, c'est emmerdant, peut-être vaut mieux que tu gères toi-même. Bah, c'est vrai que là actuellement, je crois que je peux vous le faire écouter. Quand j'ai un raid, j'ai un truc qui se lance, mais qui est très court. Donc l'avantage, c'est que ça me coupe pas non plus. Je sais pas comment vous expliquer. Attendez, je vais vous le faire écouter. Je crois que ça va pop sur l'écran si je fais le test. Raid, voilà. Je vais faire envoyer la terre. Vous allez voir ce que ça fait. Let's go. Voilà, ça fait ça. Donc l'avantage, c'est que c'est suffisamment fort pour que je percute quand je suis en jeu qu'il y a un truc. En plus, ça fait le truc let's go. C'est pour ça que je l'ai pris. Mais après, j'avoue que si j'ai un truc qui se lance, qui blablate pendant 30 secondes alors que je suis surconcentrée, c'est peut-être pas le meilleur move à faire. Après, le truc, c'est que des fois, un boss, ça peut durer 30 secondes après, t'es mort et tu lances ton alerte. Mais des fois, les derniers boss que j'ai fait sur Black Myth, t'as des boss qui durent 10 minutes. Donc le problème, c'est que je suis en plein combat, en plein gros try, il y a un raid, c'est toujours un peu compliqué. Moi, je pense que si ça te ruine un bon try sur un boss, tu vas être deg. Ouais, je pars du principe aussi. Garde celui que t'as déjà ou un truc similaire du même temps et ensuite, quand t'as fini, tu lances le test. Oh. Ouais, j'avoue que ça peut être bien. Sachant que là, pour l'instant, j'ai pas de stream deck, mais l'idéal, je pense que je vais m'en acheter un en fin d'année, sera mon cadeau de Noël. Ce serait bien que je puisse paramétrer un truc où juste j'appuie sur un bouton. J'ai pas besoin de genre faire Windows, parce que des fois, par exemple, je suis en train de jouer et quand je veux faire un truc, changer de scène, je suis obligée de lâcher la manette, faire Windows, parce que là, en gros, il y a mon clavier, clac, choisir ma scène, etc. Donc effectivement, je pense que si après j'ai un stream deck où j'ai juste un bouton, mon truc il est prêt, j'ai juste à appuyer, clac, et ça lance, ce serait plus pratique. J'aime bien prendre le temps de papoter avec vous. C'est cool. Ça me change. Je suis moins en mode focus. Et je pense que c'est important les moments comme ça aussi de discuter avec vous. Donc ça me fait plaisir. Vaut mieux que t'en aies deux, un qui se lance automatiquement, qui dure entre 3 et 5 secondes, et dès que tu peux pause et remercie le raid, en changeant de scène, tu joues le test 3. Ouais, je pense que t'as raison. C'est certainement la meilleure chose à faire, je pense. Oh, attendez, j'étais en train de regarder qui je peux raid et il y a Théropode qui est connecté. Let's go! Théropode, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient présents, il m'a fait un raid sur DBD et c'était le gros bordel. Et il a l'air super sympa, j'ai regardé ses clips et tout sur TikTok. Et dans sa présentation, vous savez, avec le SO automatique, ça mettait qu'il avait un TDAH comme moi. Et j'ai grave accroché et il est sur Silent Hill 2. Donc on va lui faire un petit raid retour, ça lui fera plaisir, je pense. En plus, il est grave sympa. Et bah du coup, merci beaucoup pour cette soirée, c'était très cool. Je suis contente de prendre à lâcher un petit peu du lest au niveau du jeu, à moins être en mode tunnel. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, quand j'étais sur un jeu, j'étais en mode vraiment tunnel. Genre, je fais pause 5 minutes max et puis après on reprend. Là, j'avoue que le fait de prendre le temps de discuter avec vous, de m'arrêter même des fois 20 minutes, pouvoir discuter comme là à la fin du stream, je trouve ça cool. Je trouve ça cool et surtout que j'aime bien avoir votre avis. Je suis pas quelqu'un qui fait mes trucs tout seul dans le sens où j'aime bien avoir les retours des gens. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à follow pour les nouveaux si jamais vous avez envie de revoir ma tête de folle. Je vous envoie chez Théropode, même si c'est pour rester que 2 minutes, n'hésitez pas à au moins suivre le raid dans un premier temps. Ça, bienvenue, ça apporte petit Renardo. Du soutien pour la oui, chaîne, pour moi et personne. Pour lui. Merci beaucoup pour ton follow. Merci Rakam. Merci, c'est bon, je t'ai convaincu de revenir. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci beaucoup, merci encore pour tous les nouveaux follow. Merci pour les 3 raids, enfin les 4 raids même qu'il y a eu, parce qu'il y a aussi Cloudaille. Merci de m'avoir apporté de l'aide et vos avis. Je vous donne du coup rendez-vous demain à 7h pour la suite de Resident Evil 8, sachant qu'on sera en stream le matin et l'après-midi, exceptionnellement toute la journée. Et on continuera aussi mercredi. Voilà! Merci beaucoup, des bisous! Merci pour ce stream bien top, comme toujours. Bonne soirée, merci beaucoup, vous êtes des petits cœurs, à la prochaine. Merci beaucoup les bébous. Ravi de donner mon avis, Tédé, je dois aller manger. Pas de soucis, bon appétit. Et TTTTH, toi aussi. Bah let's go. Bah voilà, on s'est bien trouvé, bébou, Luna. Des bisous tout le monde, je vous envoie chez le copain.